conseil a réitéré à plusieurs reprises, l'a même mis par écrit, comme quoi on veut protéger, en fait, les massifs boisés ou les deux boisés qui sont importants de la zone A16, ainsi que les cours d'eau et ainsi que les vues. À cet égard-là, bien, c'est ça, comme je vous ai dit, on va faire ça avec tous les outils municipaux qui sont à notre disposition, puis on entend le faire avec, en fait, avec, avec une rigueur dont on a tenté de vous témoigner depuis, depuis les élections. À l'égard du statut particulier, encore une fois, je réitère le fait que nous n'entendons pas avoir recours au statut particulier pour les motifs qui ont encore été évoqués à plusieurs reprises et qui vous ont été présentés par écrit. D'accord? La zone est d'un intérêt, certes, mais ce n'est pas la totalité de la zone qui a un caractère exceptionnel comme les critères, que comme le suggère la MRC dans son processus pour la reconnaissance d'un statut exceptionnel. D'accord? Donc, les recommandations qu'on a eues des experts vont dans ce sens-là, et puisque vous savez que le dossier est judiciarisé, bien, on entend toujours appuyer nos démarches par des avis et on entend bien suivre les recommandations des experts. Puis, cette orientation-là qu'on a décidé de prendre repose notamment sur une lecture puis une compréhension très fine des jugements qui ont été associés à ce dossier-là, jugements qu'on entend respecter puisqu'ils sont associés à un délai. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations à cet égard-là, je tiens à réitérer le fait que notre position a toujours été transmise par écrit. Il y a des communiqués de presse qui ont été émis à cet égard-là. Et à l'égard du statut particulier, je vous encourage particulièrement à lire le communiqué de presse qui a été mis en ligne le 23 février dernier. Maintenant, je sais qu'on aura des questions ce soir sur ce dossier-là, puis on a très peu à ajouter. Comprenez qu'on est vraiment dans une situation où on progresse dans le dossier, mais on doit se limiter par rapport à ce processus-là. On ne peut pas s'étendre longuement puisqu'on doit respecter les balises du jugement, on doit respecter aussi le droit du regroupement des propriétaires de la zone A16, puis on doit s'en tenir aux expertises puis aux recommandations qu'on a reçues jusqu'à maintenant. Par contre, de manière à informer la population, nous avons mis à jour le site Notre MSH 2035 et plus particulièrement la section qui porte spécifiquement sur la zone A16. Donc, si vous voulez, dans le fond, parfaire votre compréhension de la situation, vous voulez consulter les prises de position de la ville, les jugements ou autres, bien, on vous encourage à consulter la plateforme numérique qui a été mise à jour récemment. Maintenant, on doit commencer notre séance, mais sur une note peut-être un peu plus ludique, bien, je vous souhaite à toutes et à tous une joyeuse Saint-Patrick. Maintenant, on peut commencer notre séance. Alors, allons-y, collègues. Est-ce que vous voudriez proposer l'ordre du jour ce soir, Monsieur Leboeuf? Certainement. Alors, donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 mars 2022 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce Conseil. Si vous me permettez, je proposerais juste qu'on abroge l'ordre du jour pour y enlever notamment l'item 12. J'appuie. Est-ce que vous êtes d'accord, collègue? Oui. Oui. Merci. Maintenant, nous serions donc rendus à l'item 2 avant de procéder aux questions à l'égard de l'ordre du jour. Donc, excusez-moi, je n'ai pas ouvert le bon document. Alors, la résolution de l'item 2 se lit comme suit. Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, la solution militaire
est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant que le Canada compte la troisième population d'origine ukrainienne au monde en termes d'importance, considérant que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, considérant la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, considérant la volonté des élus municipaux de la et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité au peuple ukrainien, notamment à travers le don, à travers des dons effectués à la Croix-Rouge canadienne, considérant l'importance que le conseil municipal accorde à la démocratie et à la liberté d'expression, deux droits qui sont actuellement bafoués par le peuple, pour le peuple ukrainien. En conséquence, le conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire condamne la plus grande, avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassadeur de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie et à la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que quelqu'un veut appuyer cette résolution? J'appuie. Merci. Collègues, vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, nous serions donc rendus à l'item 3. Excusez-moi, je suis un peu... cet événement-là, cette guerre-là me semble tellement insensée que ça m'atteint profondément juste de lire cette résolution-là m'atteint. Donc, item 3, question de l'assistance, et je spécifie que je préférerais recevoir des questions à l'égard de l'ordre du jour pour cette... en fait, je demande que ce soit des questions à l'égard de l'ordre du jour pour cette première séance de questions. On va procéder comme d'habitude. Donc, alors, juste pour débuter, je vais rappeler les normes de sécurité, parce que je vois déjà des gens qui n'ont pas de masque sur le visage. Malheureusement, les normes du ministère de la Santé publique et du ministère des Affaires municipales exigent le port du masque en tout temps, sur le nez, la bouche. Alors, merci beaucoup. Maintenant, pour prendre les noms, je vais demander aux citoyens qui ont des questions sur les points à l'ordre du jour de simplement lever la main. Nous prendrons votre nom et nous pourrons tirer au sort les noms. Juste lever la main, je vais vous pointer, s'il vous plaît. Madame? Monique Comtois. Un instant, je vais pointer les gens. Monsieur? Louis-Georges Cournoyer. Madame? France Pellerin. Je vais dire madame au masque bleu, mais je vais en pointer une coupe si je fais ça. Je vous écoute, madame. Oui? Lisette Jacques. Monsieur, derrière, en vert, oui. André Perron. Monsieur en bleu. Benoît Frappier. Monsieur derrière. Jean-Yves Héroux. Monsieur Duval. D'autres personnes pour les questions, et je répète, les questions doivent être portées sur un sujet qui est à l'ordre du jour pour la première période de questions. Sinon, votre nom sera remis pour la deuxième période de questions. Monsieur Justici, Jacques Morneau, madame que je ne vois pas derrière, Julie Rivard, merci. Parfait. Alors, les noms vont être insérés et la greffière va piger l'ordre des questions. Monsieur, vous voulez ajouter votre nom? Lucien Thibodeau. Merci. Jean-Martin.
Jean Quentin. Donc, la première période de questions de 30 minutes peut débuter, M. Gertin. Allons-y. Il faut noter que j'ai des questions en ligne, donc nous allons aussi alterner entre la salle et les gens en ligne pour les questions sur l'ordre du jour. Merci. Je demandais savoir où en était la pétition, à savoir le nombre de gens qui ont signé la pétition, et je voudrais savoir qu'est-ce que la Ville a l'intention d'en faire. Merci beaucoup pour votre question. Je crois que la pétition sera officiellement déposée, si je ne m'abuse, par Mme Pellerin dans quelques instants. Merci. Prochaine question. Maître Pierrand, vous continuez, je dois faire un premier tri des questions en ligne, je m'excuse, ça sera pas. Je vérifie, c'est de l'ordre du jour. Jean-Marc Duval. Bonsoir, M. Duval. Bonsoir. J'aurais deux courtes questions. Quand je me suis présenté devant la commission d'accès à l'information pour obtenir des données sur la zone H60 que la Ville n'avait pas voulu me remettre, le Conseil avait adopté une résolution lors d'une séance pour nommer, comme il se doit, un bureau d'avocat. Or, je ne crois pas qu'une résolution allant dans ce sens ait été prise pour choisir les experts dont vous nous parlez depuis longtemps qui vous conseillent sur la zone A16. Est-ce que oui ou non, j'ai manqué quelque chose? Est-ce qu'une résolution a été prise? Si oui, quand? Et sinon, pourquoi? Parce que dans mon cas, il y a une résolution du Conseil pour nommer un bureau d'avocat dans un dossier qui est important pour moi, mais pas autant que la zone A16. Est-ce qu'il y a eu des résolutions présentées au Conseil pour choisir ces experts qui vous conseillent depuis le début et qui vous nous dites, tout le monde nous dit, les experts, on ne peut pas faire appel, on ne peut pas aller en cour supérieure. Comment est-ce que ces experts-là ont été choisis? Première question. D'accord. Deuxième question, le CCU. Ça, c'est le procès-verbal du CCU de la semaine dernière, disponible sur le site Web, non pas vendredi, mais aujourd'hui, 2 heures. Pourquoi ce changement? Pourquoi ne pas mettre le procès-verbal en projet sur le site de la Ville le vendredi, comme c'était fait auparavant? Il y a eu une des résolutions qui a été discutée à ce conseil-là, le CCU 2202-21-19, qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui parce que l'avis n'a pas été favorable. Il y a un autre avis qui a été discuté qui n'a pas été favorable, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, je vais me permettre de faire certains commentaires sur ce projet-là, même s'il n'a pas été retenu. Parce que j'espère que quand le prochain CCU se penchera sur ce dossier-là, il y aura des exigences beaucoup plus sévères. Je parle ici de l'ancien motel Le Campagnard. On parle d'une zone de rez-de-chaussée commerciale. Je trouve que c'est une aberration totale à chaque fois d'insister pour qu'il y ait du commerce au rez-de-chaussée. 174 logements, 10 cases de stationnement à l'extérieur, un nombre de cases de stationnement à l'intérieur dont le nombre n'est pas spécifié, je ne sais pas pourquoi. On parle d'accorder des exemptions aux règles actuelles de la Ville. Je ne comprends pas qu'on puisse construire 174 logements avec 10 cases de stationnement à l'extérieur, ne pas nous dire combien il y aura de cases de stationnement à l'intérieur, tout ça sur Sir Wilfrid Laurier, où, vous le savez mieux que moi, il y aura d'énormes projets de développement dans les années à venir. Et si on n'accorde pas des places de stationnement aux locataires, aux occupants, ces gens-là vont stationner où? Donc, comment les experts ont été choisis? La disponibilité du procès-verbal du CCU et cette résolution-là, j'espère
que le prochain CCU sera très sévère pour faire respecter les normes actuelles de la ville. Merci beaucoup. Merci. Donc, premier élément de réponse. Juste pour vous dire, le choix des experts s'est toujours fait en fonction de leurs compétences, certes, puis de la politique d'approvisionnement de la ville de Mont-Saint-Hilaire, dans le respect, en fait, des règles d'octroi de contrat. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, à l'égard du CCU, par rapport au dépôt des rapports et aux dates de dépôt des rapports, je n'ai pas d'explication à savoir pourquoi on a dérogé du dépôt un vendredi. Donc, nous serons vigilants. Monsieur Duval, il faudra préciser, c'est la greffière qui fait quelques années qu'il est là, précise que le procès-verbal a toujours été mis en ligne le lundi. Non, écoutez, ce matin, j'ai vérifié à 10 heures, il n'était pas là. J'ai téléphoné à votre bureau, M. Saint-Onge. On m'a rappelé. Et quand je suis revenu à la maison à 2 heures, il était effectivement disponible. Mais vendredi, il n'était pas là. Ce matin, il n'était pas là. Mais c'est ce qu'on confirme, que le vendredi, le procès-verbal n'est jamais là, parce que les élus le reçoivent le vendredi. Non, avant, il était là le vendredi. Le CCU, le projet verbal, écoutez, je me suis assez battu pour ça. Le procès verbal sous forme de projet est disponible habituellement le vendredi. Je trouve que si ce n'est pas le cas, vous devriez changer vos politiques, parce que de me mettre un document de 36 pages à lire pour que je puisse parler en connaissance de cause à 2 heures pour une réunion qui est à 7 heures, je suis retraité, mais il y a des limites. Et à l'égard du dit projet associé au Montagnard, bien, à ma connaissance, c'était une demande d'avis préliminaire. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résolution à cet égard-là. Donc, et à l'égard du stationnement, bien, à ma connaissance, ce sont des éléments qui restent à négocier dans le dossier, conformément à la politique, en fait, sur les stationnements. Puis les compensations de cases de stationnement à cet égard. Oui. Je peux me permettre un complément d'information. Le dossier soulève encore beaucoup d'interrogations pour les membres du CCU. Alors, il y a des étapes subséquentes qui sont à venir, entre autres de rencontrer le promoteur. Il y avait entre autres des inquiétudes par rapport à la percée visuelle sur les résidents qui habitent du côté nord du projet. Alors, c'est pour ça. Il y aura une suite à ce projet-là, ce dossier-là, mais il y a une rencontre qui est prévue avec le promoteur prochainement. Là, à cet effet, pour avoir des éclaircissements sur le projet. Oui, juste, je vais apporter deux précisions à cette question-là, aussi la première question. Alors, j'ai le directeur du service du CERT, la directrice des COM et la directrice du service juridique qui me dit que le procès-verbal n'a jamais été mis en projet le vendredi. Il n'y a pas de projet de procès-verbal de CCU. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui était disponible auparavant, puisque les élus doivent prendre connaissance du document avant qu'on puisse le rendre public. Et donc, je vais faire les vérifications demain. Confirmé, là, je fais ça à brûle pour point, là, mais je vais me permettre de faire une vérification. Puis s'il y a quelque chose, M. Duval, je vais vous revenir. Et pour préciser votre première question sur le fait que vous avez eu une avocate par résolution, ce n'était pas une avocate pour un avis juridique, c'était une avocate comme représentation. Donc lorsqu'il y a des représentations devant le tribunal, la ville doit nommer par résolution un bureau d'avocat. Alors, je ne sais pas pourquoi vous riez, c'est la réponse légale. Là. Donc, vous pouvez rire. Mais si vous me permettez, M. Duval, c'est juste que… Oui, je m'attends après. Non, mais par souci pour toutes les autres questions. S'il n'y en a jamais eu avant le vendredi, je m'excuse, mon erreur, mais je vous demande formellement de les mettre le vendredi. Je ne pense pas que c'est possible. Je vais expliquer pourquoi, si vous permettez, M. le maire. On ne peut pas mettre le vendredi parce que le conseil doit prendre connaissance du document au préalable, puisqu'ils vont faire une résolution le lundi soir. Ils ne peuvent pas, s'il y a des modifications apportées au procès-verbal des élus qui siègent sur un comité comme le CCU, ne pas donner de directives ou de consignes au service qui émet les procès-verbaux. Et donc, ils doivent en prendre connaissance, faire la recommandation. Ils ont, eux, à en discuter le jour même. Donc, ce soir, vous dites que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour en prendre connaissance. Le conseil échange sur le procès-verbal du CCU au plénier, juste une demi-heure avant qu'on descende ici en bas. Donc là, ce que vous demandez, c'est d'être au-devant du conseil municipal, et ça, je me rappelle déjà avoir répondu ça. C'est impossible dans une administration de transmettre des rapports publics avant même qu'une administration en ait pris connaissance, tout simplement. Donc, ça clôt la question de votre côté.
Merci beaucoup, M. Saint-Onge. Procédons à la prochaine question. Tentons d'être bref également, puisque le temps file. Je n'ai pas de questions en ligne, donc on pourra continuer avec les questions. Les questions en ligne ne sont pas au sujet de l'ordre du jour. Merci beaucoup. André Perron. Bonsoir, M. Perron. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ma question porte sur la zone A16. J'ai deux questions. Une sur les deux porte sur la zone A16, M. le maire. D'accord. Okay. En matière d'environnement, vous permettez, je la lis, c'est une question un peu technique. D'accord? En matière d'environnement, le PEMAD établit l'orientation. C'est l'orientation numéro 3 du PEMAD. Que le Grand Montréal est un environnement protégé et mis en valeur. Pour ce faire, le PEMAD propose d'assurer la protection et la mise en valeur des bois d'intérêt particulier métropolitain, des corridors forestiers, des milieux humides. Pour assurer la mise en valeur de ces éléments, le PEMAD propose la mise en place d'un réseau récréo-touristique à la population pour qu'ils puissent profiter pleinement de ces lieux de détente, de culture et de récréation. Alors, puis-je vous inviter à poser votre question? À revenir. Mais c'est juste, collègue, excusez-moi, M. Perron, c'est juste considérant le temps qui nous est alloué. Bien, je pense que j'ai presque terminé, mais c'est Merci. Important de comprendre le contexte. Sinon, on ne comprendra pas ma question, M. le maire. D'accord? Il recommande de mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une perspective intégrée et globale à des fins récréo-touristiques. Je rappelle, c'est le PEMAD qui dit ça, là, c'est pas moi. C'est le PEMAD, orientation 3. En matière de paysage, le PEMAD mentionne spécifiquement les importants vergers s'étendant notamment au pied des monts Rougemont, Saint-Hilaire et Saint-Bruno. Ces paysages agricoles constituent une autre caractéristique exceptionnelle et typique de la communauté. C'est ce que le PEMAD dit en page 180. En conformité avec ces recommandations de PEMAD, la ville de Mont-Saint-Hilaire a tous les éléments requis pour demander un statut particulier pour la zone A16. Que vous faut-il de plus, mes chers élus municipaux, pour vous conformer au PEMAD et demander un statut particulier? Ça, c'est la question. J'attends votre réponse. Alors, on a déjà répondu à cette question-là par écrit, comme j'ai dit, le 23 février dernier, c'est-à-dire que, malheureusement, les boisés dans la zone A16 ne sont pas des boisés considérés d'intérêt métropolitain, mais on veut quand même les protéger. Les boisés de la zone A16 ne figurent pas dans les corridors forestiers identifiés ni par la ville, ni par la communauté métropolitaine de Montréal, mais on entend quand même en assurer une certaine connectivité. Et les paysages qui sont dans la zone A16, bien qu'ils soient intéressants, ne sont pas parmi les paysages jugés d'intérêt métropolitain. Et le verger de la zone A16 n'est même pas un verger qui est inclus dans la zone agricole. Alors, comme on a fait lors de l'adoption du budget, on a adopté un budget qui favorisait notamment les producteurs agricoles, notamment en leur donnant une réduction au niveau de leur taxe foncière, mais ces vergers-là ne figurent pas, notamment le verger Sullivan, n'est pas un verger à l'intérieur de la zone agricole. Alors, on va quand même s'assurer de protéger tous ces éléments-là, mais vous comprenez qu'en ce moment, il y a beaucoup de caractéristiques de la zone A16 qui échappent à un caractère exceptionnel. C'est ce qu'on a tenté d'exprimer par écrit par le passé. Je vous remercie, M. Perron, pour votre question. C'est la deuxième question. Le CMM recommande de préserver les qualités patrimoniales et paysages des lieux. Comment pouvez-vous favoriser un développement à haute densité dans la zone A16 et H60, tout en respectant ces critères? Alors, on ne parle pas de haute densité dans la zone A16. Donc, 600? Je ne sais pas où vous prenez ce chiffre-là. 600 mais, portes. Alors, on n'a pas encore statué sur le nombre de portes, donc je ne crois pas. Je crois qu'avec les outils urbanistiques qu'on a actuellement, on va pouvoir protéger les éléments que vous avez évoqués. Et dans la zone H60? Alors, c'est la même question. Bien, on va utiliser les outils urbanistiques à notre disposition pour s'assurer. Vous prévoyez combien de portes dans la zone H60?
On a déjà répondu à cette question-là. Répétez-la, c'est bon de se faire répéter. Approximativement, ben on a limité, en fait, le nombre d'unités de logement à l'hectare à ce qui est prévu dans la RTOD, c'est-à-dire à 40 unités de logement à l'hectare. Mais on a mis un plafond. Bien là, vous m'excuserez, je n'ai pas ces chiffres-là à brûle pour point. Alors, je vous remercie, M. Perron, pour votre question. Les deux questions. Merci. Une question de M. Jacques Bélé en ligne, M. le maire. Je supporte personnellement les actions de l'Association des citoyens en matière de zone A16, considérant les demandes du milieu citoyen de Mont-Saint-Hilaire pour une dérogation à la CMM pour demander un rapport à la Cour supérieure. Le conseil municipal est-il en mesure de mettre en œuvre des demandes telles que souhaitées par les citoyens, faisant le lien au point à l'ordre du jour 4 sur le dépôt de la pétition? Bien, je vais recevoir la pétition avant de me prononcer sur cette question-là, si vous le voulez bien, M. Saint-Onge. Alors, je passerai à la prochaine question. Alors, Mme Pellerin, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est toute simple. Oui. Je demande la permission de pouvoir intervenir pour une courte allocution au point 4 de l'ordre du jour lorsque la pétition sera déposée. Bien, je vous inviterai, Mme Pellerin, à faire votre allocution immédiatement, s'il vous plaît. D'accord. Notre allocution va être présentée par deux membres de l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Donc, j'inviterai M. Louis-Georges Cournoyer à débuter. Et lorsque vous dites courte? Courte. Ça tient sur une page. Merci beaucoup. Madame Pellerin, lorsque vous déplacez, juste mettre votre masque, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers. Donc, il y a une occasion magnifique opportunité, hein, celle de préserver une partie importante du Piémont, de ce joyau menacé qu'est le Mont-Saint-Hilaire, première réserve de la biosphère de l'UNESCO Canada. J'aime bien dire ça aussi, ça me touche toujours. Notre message est simple. Vous êtes épaulés, très bien épaulés par les citoyens. Et le serez tout au long des démarches, si vous choisissez de les entreprendre, afin de protéger le Piémont, dont la valeur est exceptionnelle à plusieurs niveaux. Comme vous le savez, l'Association des citoyens a fait une pétition qui a été signée par plus de 5000 personnes à ce jour, de la ville et de la région de Mont-Saint-Hilaire, afin de vous implorer de demander un statut particulier pour protéger cette zone en fonction des critères prévus à cet effet dans la loi. De plus, l'association a déposé un document de façon symbolique demandant ce statut et démontrant l'argumentaire justifié et crédible en lien avec les différents points de droit auprès de la MRC. Donc, il y a une demande de statut particulier dont va vous rapidement vous parler Mme Pellerin. Je ne relirai pas toute la demande de pétition, toute la pétition. Le Mont-Saint-Hilaire est un joyau naturel inestimable reconnu par l'UNESCO. Comme la première réserve de la biosphère au Canada, la protection de son piémont permet la connectivité assurant l'écosystème de la montagne, sa résilience et sa survie. Cette densification prévue est très inquiétante, la densification dont on parle, en termes de circulation, d'autant plus que la ville voisine de Thoburn Park se développe, elle aussi, de manière importante. La zone A16 ne possède que deux issues, soit le chemin Ozias-le-Duc et le chemin des Patriotes, et est, par le fait même, enclavée. Ces deux artères étant très bien encombrées à toute heure du jour, la sécurité des citoyens, piétons, vélos sur ces axes, ainsi que l'accessibilité pour les pompiers et les ambulances sont d'autres enjeux importants de sécurité publique. Ce secteur, on a corrigé à votre demande, est à proximité du boisé et corridor forestier métropolitain et fait partie du corridor de protection prioritaire des basses terres du Saint-Laurent au niveau de la connectivité écologique. Le paysage et patrimoine naturel et bâti de cette région sont la signature de la ville, son histoire et sa fierté. Le chemin de la montagne est emprunté par des milliers de visiteurs chaque année pour venir se ressourcer dans notre belle nature ou cueillir des pommes. Le chemin de la montagne est également une piste cyclable, la trame verte, et il est recommandé d'y restreindre la densité tout au long de cette dernière. Enfin, quelles seraient les répercussions de ce développement en termes de coûts pour les citoyens, construction de nouvelles rues, agrandissement des chaussées, réfection de trottoirs et pistes cyclables, aménagement de nouveaux égouts, conduite d'eau potable et autres? Donc,
on vous demande de déposer un statut particulier. Nous n'avons pas la même compréhension que vous des éléments légaux. Madame Pellerin va vous faire une suggestion. Quant à la nécessité de référer à la totalité de la zone pour faire une demande de statut particulier. Je vous remercie. Merci. La zone A16 est-elle une zone d'exception? Voici le document d'une demande de statut particulier préparée par des citoyens bénévoles et informés. Elle résume les points de droit permettant cette demande d'exception. Elle se veut factuelle. Elle s'appuie sur les faits démontrés, entre autres, par une étude effectuée en 2018 par la Fondation David Suzuki, dont la réputation n'est plus à faire, ainsi que le Dr Andrew Gonzalez en 2019 de l'Université McGill, également co-président de Géobon, un groupe de 1000 chercheurs venant de 100 pays qui étudient la biodiversité, ainsi qu'une étude réalisée par la firme Eco2Herb en 2020, où l'un des fondateurs-chercheurs est le Dr Jérôme Duprat, connu également car il est le bassiste du groupe Les Cowboys Fringants. Ce dernier a d'ailleurs même répondu à votre appel lors de la campagne électorale de supporter votre candidature, car vous souhaitiez démontrer aux citoyens que vous partagiez les mêmes valeurs environnementales que lui. Les faits référés dans cette demande sont donc hautement crédibles. Nous souhaitons qu'une demande soit cédulée très prochainement avec vous, ainsi que le directeur de l'urbanisme de l'aménagement du territoire de la MRC, M. François Sénécal, qui en 2018 avait proposé cette démarche à la Ville, ainsi que le conseiller Marcel Leboeuf et un représentant de la CMSH, afin de discuter des démarches impliquées pour l'obtention d'un statut particulier. Voilà. Je vous remercie. Il reste la conclusion. Bref. Cette opportunité est digne d'un grand leader qu'on reconnaît en vous. Un grand leader sait qu'il n'y a pas de certitude et qu'il faut s'adapter en permanence au chemin. Il faut accepter de vivre avec des contradictions. Lorsque nous sommes le maire d'une ville où est située la première réserve de l'UNESCO, de la biosphère reconnue par l'UNESCO, nous avons une responsabilité éthique qui repose sur nos épaules. Certes, le transport actif et les collectifs est également un élément noble du développement durable, parmi tant d'autres axes. Mais la protection de la nature pour les générations futures est d'une plus grande importance hiérarchique dans le contexte unique de la ville qu'est Mont-Saint-Hilaire. C'est votre devoir moral face aux citoyens de Mont-Saint-Hilaire et du monde, en tant que maire, de la protéger, et ça va bien au-delà des responsabilités de nombreuses autres villes. Il y a des moments pour agir et des moments pour accepter. Les grands leaders savent faire cette distinction. Merci. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Je ne ferai pas d'autres commentaires à cet égard-là. Jean Quentin. Bonsoir. Je ne suis peut-être pas dedans, mais je ne l'ai pas vu dans l'heure du jour. Moi, c'était en regard de l'entrée piétonnière de la rue du Sommet. Là. Est-ce que ça va être plus tard? Ou... Puisque ce n'est pas à l'heure du jour, je vous inviterai à reposer votre question. D'accord. Je vous remercie. Merci. Bonsoir, M. Morneau. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers. Bon. Mon intervention, c'est en relié avec le point 4, la fameuse P
pétition puis la demande de statut particulier. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé là-dessus. Vous en avez parlé, il y a eu des articles de journaux dans l'œil régional. Il y a des choses qui sont dites que je voudrais peut-être clarifier ici ce soir avec vous. Parce que lorsque vous dites un de vos arguments de ne pas présenter une demande de statut particulier, c'est que selon certains des experts qu'on n'a jamais eu le fond de leur pensée ou d'un document quelconque pour voir ce qu'ils disaient, vous dites que la totalité de la zone ne se qualifie pas pour un statut particulier. Est-ce que c'est nécessaire que toute la zone au complet se qualifie pour demander un statut particulier? Ça, c'est ma question, à savoir, oui, je peux comprendre qu'il y a peut-être des parties qui ne s'appliquent pas, mais il y a d'autres parties qui peuvent s'appliquer. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est que au lieu de sauter à certaines conclusions, pourquoi ne pas faire la vérification avec la MRC, tout simplement en faisant une demande pour voir quelle partie de la zone A16 ou quelle proportion de la zone A16 ou quelle densité de la zone A16 on pourrait avoir plus bas que 21 unités à l'hectare. Je comprends que ce n'est pas la totalité qui peut s'appliquer à 21 unités à l'hectare ou à se soustraire de 21 unités à l'hectare. Mais dans l'ensemble, l'exercice, faire l'effort d'aller faire une demande puis de vérifier. S'ils disent non, ça ne se qualifie pas, on a une réponse formelle, pas de conseillers qui viennent de je ne sais pas trop où, mais de l'autorité compétente qui est la MRC. Moi, j'aimerais avoir une réponse de la MRC, à savoir, est-ce que on peut diminuer, oui ou non, la densité dans la zone A16. Je ne veux pas savoir d'un avocat ou d'un autre, un urbaniste ou autre, je veux savoir de l'autorité compétente, oui ou non, on peut-tu diminuer la densité de la zone A16? Deuxième élément que j'aimerais une clarification, c'est que vous utilisez souvent l'argument, on a eu un jugement, il faut respecter le jugement. Je suis très d'accord avec ça. Une société qui respecte la loi, il faut respecter la loi. La ville a jusqu'à le 11 août pour respecter la loi. Il reste 5 mois. Dans ce 5 mois-là, il reste, à mon avis, suffisamment de temps pour poser la question à la MRC, selon l'information qu'on a à ce jour, avec la contribution de l'association qui a fait un long rapport, et autres que la ville pourrait avoir, soumettre ça à la MRC, puis dites-nous si oui ou non la zone A16 peut bénéficier d'une exemption pour diminuer la densité. Je ne dis pas de l'éliminer. Moi, je suis prêt à accepter qu'il va y avoir du développement, mais je ne veux pas avoir des blocs appartements de 4 étages. Des maisons unifamiliales, ça serait, à mon avis, acceptable, mais ça, c'est mon avis. Ce que je veux savoir, ce n'est pas des opinions, mais une réponse de l'entité qui a l'autorité de dire oui ou non. Pas de dire non, vous n'avez pas de chance, oui, vous avez de la chance, ou ça ne se qualifiera pas. C'est tout hypothétique. Arrêtons les hypothèses. Allons devant la MRC. Demandons-leur spécifiquement. Je n'ai pas fini. Quand vous parlez du 11 août, le 11 août, c'est une date butoir, en effet. Si la MRC vous dit, ça me prend, je ne sais pas, 8 semaines ou 12 semaines ou 16 semaines, puis ça dépasse le 11 août, à ce moment-là, avec un dépôt à la MRC en bonne et due forme et un avis de la MRC qui dit, je n'ai pas le temps de faire mon processus pour amender mon schéma d'aménagement avant le 11 août, vous auriez, à mon avis, toute la légitimité d'aller à la Cour d'appel pour demander un sursis du jugement pour permettre à la MRC de compléter son processus de changement de son plan d'aménagement afin que la Ville puisse changer sa réglementation pour se mettre en concordance avec le schéma d'aménagement modifié de la MRC. Donc, les deux arguments
totalité de la zone A16. Laissons la MRC se statuer là-dessus, la seule autorité compétente. Et deuxièmement, le 11 août, bien, le 11 août n'est pas un argument parce que vous avez toujours le loisir de demander un sursis à la Cour d'appel pour prolonger si la MRC indique qu'elle ne peut pas compléter son processus avant le 11 août. Merci. Je vous remercie pour vos commentaires. En fait, on travaille en collégialité avec la MRC, donc je n'ai rien à ajouter là-dessus. Nous aurons l'avis de la MRC en temps et lieu, en suivant le processus. Puis par rapport au dépassement des délais, je ne crois pas que ce soit de témoigner de bonne foi que de mettre en œuvre un processus qui nous mène au-delà du 11 août en ce moment, puisque c'est bien ça le cœur de la question, puis je ne reviendrai pas sur ce débat-là, mais le cœur de la question des deux jugements, c'est de faire preuve de bonne foi. Et à cet égard-là, il y a quand même eu trois juges de la Cour d'appel qui nous ont rappelé que le témoignage ultime pour eux de la bonne foi, c'était d'avoir un règlement de concordance en date du 11 août. Quand vous parlez de bonne foi, vous ne pouvez pas répondre pour les actions de l'ancienne administration. Vous êtes une nouvelle administration. Si vous présentez une bonne foi, c'est de faire un effort de faire pour régler la question que nombreux citoyens ont une représentation. Je comprends les propriétaires terriens qui veulent également avoir une solution finale, mais il faut prendre l'ensemble des intérêts des citoyens et des propriétaires terriens. Quand on parle de bonne foi, je crois que si la ville officiellement dépose une demande officielle à la MRC pour une demande de statut particulier, c'est démontrer une bonne foi qu'elle veut résoudre le problème à la satisfaction de tous et non seulement des propriétaires. Je vous remercie, M. Monneau. Je vous encourage à aller lire notre MSH 2035. Vous trouverez des éléments de réponse à votre question. C'est la fin. Ceci met fin à la période de questions. Monsieur le maire, vous pouvez débuter la séance. D'accord. Nous serions donc rendus à l'item 4 de l'ordre du jour. Maître Pierra. Oui, alors, M. le maire, c'est un dépôt de pétition en date du 7 février 2022 concernant une demande de... Donc, c'est un dépôt d'une pétition reçue le 7 février 2022 concernant une demande de statut particulier pour la zone A16 déposée par l'Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire. Alors, vous déposez l'original en date d'aujourd'hui. Merci. Je m'excuse pour le son. Malheureusement, le gars du son est au téléphone à l'extérieur. Puis je ne suis pas assez technique pour aller jouer sur sa console. Donc, en espérant que vous entendez. Si vous n'entendez pas ce que Maître Pierre Hardy, vous le direz, je pourrais répéter à ce moment-là. D'accord. Oui, madame. Ben, juste si c'est pour le son, sinon vous ne pouvez pas prendre la parole. Je suis désolé, la période de questions est terminée. Oui. Malheureusement. Alors, je veux juste apporter une rectification, en fait, c'est que au point 4, c'était un dépôt officiel de la part de la greffière par rapport à une pétition qui a été déposée préalablement au greffe. Et on voulait, par courtoisie, dans le fond, laisser à Mme Pellerin le soin de faire son allocution. On aurait espéré que ça soit plus bref pour laisser plus de place. Ce sont des consignes qu'on a réitérées à plusieurs reprises. Maintenant, la période de questions étant écoulée, il faudra que vous attendiez jusqu'à la période de questions qui est prévue à la fin du conseil. J'en suis désolé, mais ainsi va les règles de notre régie. Je vous remercie pour votre patience. Item 5, dépôt du rapport de la greffière concernant la formation des élus en éthique et déontologie. Alors, c'est conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Je dépose au conseil le certificat à l'effet que tous les élus ont suivi la formation obligatoire concernant l'éthique et la déontologie en matière municipale. Je vous remercie.
Item 6, dépôt du rapport sur les activités de la trésorière pour l'année 2021 sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui, alors, ça se... Excusez-moi, je crois que c'est Maître Pierre-Hart qui va devoir faire cet item-là également. Oui, alors, cette fois-ci, c'est conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. C'est un dépôt de la greffière concernant les activités de l'année 2021 en regard de cette loi-là. Merci. Item 7, politique sur le patrimoine de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Adoption. Monsieur Meilleur. Merci, Monsieur le maire. Je suis très heureux qu'on arrive avec cette politique. Vous l'avez souligné, j'ai fait partie comme membre citoyen. Je suis heureux maintenant de la déposer comme membre au conseil. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est quelque chose pour lequel je me suis engagé à la ville il y a près de 4 ans et que je me suis engagé aussi en politique pour qu'en fin de compte, quand on dit une ville de patrimoine, ce soit plus que des mots sur une devise, mais qu'on ait vraiment des actions concrètes en ce sens. Aujourd'hui, on dépose, c'est le premier jalon pour arriver à plus d'actions pour le futur. Je voudrais aussi souligner la présence de Mme Leroux ce soir, qui est avec nous dans la salle, qui est vice-présidente de Patrimoine et Lermontel et qui était aussi sur le comité avec nous. Et vous allez voir, dans les prochaines semaines, il va y avoir des actions qui vont être annoncées puis déposées justement pour du côté patrimoine, entre autres, le muret de la rue Saint-Charles et aussi probablement des annonces sur l'école Sacré-Cœur. Donc, je suis très heureux du dépôt. Donc, considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire désire se doter d'une politique sur le patrimoine, considérant que qu'avec cette politique, la ville de Mont-Saint-Hilaire vise à cristalliser la vision qu'elle désire se donner afin de guider sa volonté d'identifier, valoriser et protéger le patrimoine sur son territoire, je propose que le Conseil adopte la politique sur le patrimoine de la ville de Mont-Saint-Hilaire intitulée « Un patrimoine pour demain » datée de mars 2022, jointe à la présente résolution comme annexe A, pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai un appui à? J'appuie. Merci. Collègues, vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Alors, bien heureux de l'adoption de cette résolution et de cette politique. Nous serions donc rendus à l'item 8, procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Leblanc. Alors, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce Conseil. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Merci bien. Item 9, rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 et bordereau des comptes à payer 2022-03-A jusqu'à 2022-03-B, C et D. Monsieur Meilleur. Oui, ben c'est, en fin de compte, c'est pour payer les dépenses courantes de la ville. Donc, je propose que les rapports de dépenses autorisés en vertu du règlement numéro 1311 au cours de la période du 3 février 2022 au 9 mars dernier, signé en date du 9 mars par la trésorière adjointe, et les bordereaux de compte à payer numéro 2202-03A au montant de 2 817 204 sous, B au montant de 2 646,87, C au montant de 390 434,60 et D au montant de 267 299,51, soit ils sont approuvés par ce conseil tel qu'il apparaît au certificat portant le numéro 2202-03 signé par Mme Bousquet en date du 10 mars dernier. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci, Mme Thibault. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Merci bien. Item 10, rapport des ressources humaines 2022-03. Oui, oui, donc, Monsieur Morin. Oui. Je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2022-03, préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines en date du 10 mars 2022, pour la période du 1er février 2022 au 10 mars 2022, soit et approuvé par ce conseil.
Quelqu'un pour appuyer? Je seconde. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Merci. Item 11, adoption du nouvel organigramme fonctionnel de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Leboeuf. Oui. Alors, considérant la création du poste de directeur général adjoint aux opérations et l'actualisation de la structure du service du loisir et de la culture et du service des travaux publics, je propose que ce conseil approuve le nouvel organigramme fonctionnel de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, lequel organigramme est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. D'accord. L'item 12 a été reporté au mois prochain, ce qui fait qu'on est à l'item 13, nomination du directeur général adjoint aux opérations de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Leboeuf, encore à vous. Considérant que la création d'un poste de directeur général adjoint aux opérations de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en remplacement du poste de directeur général adjoint existant, considérant que M. Francis Leblanc, directeur du service des travaux publics, a les qualifications et l'expérience requises pour occuper ce poste, je propose que ce conseil autorise la nomination de M. Francis Leblanc à titre de directeur général adjoint aux opérations de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, selon le traitement ainsi que les conditions d'embauche stipulées au contrat de travail à être signé par les parties, qu'il y a des crédits disponibles conformément au règlement sur les règles des contrôles et de suivi budgétaire, que le maire, M. Marc-André Gertin, soit et est autorisé à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville. Qui peut appuyer? J'appuie. Merci, M. Morin. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Je crois que, M. Saint-Onge, vous vouliez faire un commentaire. Oui, je vais faire un petit commentaire simplement pour préciser, féliciter M. Leblanc qui se joint à l'équipe de la direction générale. M. Leblanc est employé de la Ville de Mont-Saint-Hilaire depuis 13 ans aux travaux publics et 23 ans pardon, d'expérience dans le domaine municipal dans différentes villes à travers la Montérégie. Donc, lorsqu'on peut promouvoir un employé à un poste supérieur à l'intérieur d'une organisation, c'est toujours une belle image de marque pour les employés, une belle reconnaissance. Donc, je tiens à le féliciter et le remercier de se joindre à nous au niveau de l'équipe de direction générale. Et bien sûr, il y aura le poste à combler au niveau du directeur des travaux publics, puisque c'est une promotion pour M. Leblanc. Alors, c'est bien à suivre et félicitations, M. Leblanc. Et nous en sommes fort heureux. Avant de procéder avec l'item 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, ainsi que 21. Je tiens juste à manifester ma grande reconnaissance à l'égard de tous les citoyens qui ont soumis leur candidature pour siéger sur divers comités du Conseil. Donc, merci à toutes celles et ceux qui ont manifesté de l'intérêt. Le choix a été difficile, considérant les places limitées et la grande expérience qui a été... ont témoigné tous les citoyens. Donc, on a reçu 19 candidatures pour 15 postes. Donc, encore une fois, notre choix a toujours été motivé, soit par le désir de participer des citoyens à certains comités, leurs compétences, puis d'avoir une représentation d'un large spectre de citoyens sur les divers comités. À cet égard-là, passons à l'item 14, nomination des membres du Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au sein du Conseil d'administration de la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres. Et je demanderai, à Mme Thibault de nous en faire la lecture. Alors, je pense que ça va de soi, pas besoin d'expliquer ça. Il s'agit de nommer des élus sur le Conseil. Donc, considérant que la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres, Inc., requiert la présence d'un élu de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de siéger à titre de délégué au sein du conseil d'administration, mais sans droit de vote. Donc, je propose que ce conseil nomme les membres suivants à titre de délégué pour siéger au sein du conseil d'administration de la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres, Inc. Donc, Madame la conseillère Mélodie Georget, qui est la déléguée, et Monsieur le conseiller David Morin, qui est le substitut. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci, M. Meilleur. Êtes-vous tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Oui. Merci. Félicitations. Nomination des membres au sein du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Meilleur.
Oui, considérant la vacance de deux postes à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif sur l'environnement et le développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que Mme Joannie Beaulieu et M. Marc-Antoine Robert ont manifesté leur intérêt afin de siéger sur le dit comité, considérant les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, par lesquelles le conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des comités de la ville, je propose que ce conseil nomme Mme Joannie Beaulieu et M. Marc-Antoine Robert à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. Et j'appuie. Merci. Bienvenue, Joannie et Marc-Antoine, au comité. Peut-être juste une petite précision. Tous les mandats sont pour un an suite au plan stratégique qu'on est en train de revoir. En effet, parce qu'on va aligner, dans le fond, les mandats des comités au résultat de notre planification stratégique. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Parfait. Alors, passons à l'item 16, nomination de membres et renouvellement de mandat au sein du comité du patrimoine et de la toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Meilleur. Oui, bien, considérant que le mandat de Mme Antoinette Leroux, membre citoyen au sein du comité du patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire, est échu depuis le 4 septembre 2021, considérant que Mme Leroux a signifié son intérêt à l'effet de poursuivre son mandat au sein du comité, considérant la vacance de 4 postes à titre de membre citoyen au sein du dit comité, considérant que Mme Christine Tardif et M. Raymond Jacques, Marc-Antoine Robert et Alain Saint-Pierre ont manifesté leur intérêt afin de siéger au sein de ce comité, considérant les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, par lesquels le Conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des comités de la ville. En conséquence, je propose que ce conseil renouvelle le mandat de Mme Leroux à titre de membre citoyen au sein du comité du patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire rétroactivement pour la période du 5 septembre 2021 au 31 décembre de cette année, et aussi que le conseil nomme Mme Tardif, M. Jacques et Robert et Saint-Pierre à titre de membre citoyen au sein du comité pour la période s'écoulant du 15 mars dernier au 31 décembre de cette année. Qui veut appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Merci. Alors, passons à la nomination des membres au sein du comité consultatif sur le développement de la culture, du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Leboeuf. Alors, considérant la vacance de 2 postes à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que Mme Karine Durette et M. Francis Lafortune ont manifesté leur intérêt afin de siéger au sein de ce comité, considérant les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, par lesquelles le Conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des comités de la ville. Alors, je propose que ce conseil nomme Mme Karine Durette et M. Francis Lafortune à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. Et j'appuie avec autant d'enthousiasme. Bienvenue, Karine et Francis. Vous êtes tous d'accord, membres du conseil? Oui. Oui. Parfait. Alors, passons à l'item 18, nomination de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Rainville. Oui. Alors, effectivement, il y avait 2 postes à combler au sein du CCU. Donc, considérant la vacance de 2 postes à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que Mme Christine Tardif et M. Raymond Jacques ont manifesté leur intérêt afin de siéger au sein du dit comité, considérant les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du Conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, par lesquelles le Conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des comités de la ville, je propose
que ce conseil nomme Mme Christine Tardif et M. Raymond Jacques à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la période du 15 mars au 31 décembre 2022, pour les mêmes raisons, tant qu'on est en pleine création stricte. Je pense qu'il y a une petite erreur dans le développement durable. Petite coquille. J'ajouterais, M. le maire, que je suis hyper content de la nomination de ces deux personnes-là qui habitent à Mont-Saint-Hilaire depuis quelques années seulement, puis qui ont manifesté de l'intérêt à s'impliquer dans leur ville. Alors, on trouve que ces deux personnes-là avaient le profil complémentaire aux membres du CCU qui étaient déjà en poste. Merci. Alors, qui veut bien appuyer cette résolution? Je vais appuyer et féliciter nos deux nouveaux membres. Êtes-vous tous d'accord, membres du conseil? Oui. Parfait. Alors, passons à l'item 19, nomination de membres au sein du comité directeur de la ville équitable de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Morin. Oui, donc, considérant la vacance de 3 postes à titre de membre citoyen au sein du comité directeur de la ville équitable de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que mesdames Maya Benomar, Jeanne Bouchard et Camille Chabot-Martin ont manifesté leur intérêt afin de siéger au dit comité, considérant les dispositions du règlement 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, pour lesquels le conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des 10 comités de la ville. En conséquence, je propose que ce conseil nomme mesdames Maya Benomar, Jeanne Bouchard et Camille Chabot-Martin à titre de membre citoyenne au sein du comité directeur de la ville équitable de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie et je salue l'engagement de ces 3 jeunes personnes pour le commerce équitable. C'est vraiment important. Merci. Membre du conseil, vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Alors, passons à l'item 20, nomination de membres au sein du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Thibault. Oui. Alors, encore ici, 2 membres. On est à la recherche de 2 membres. J'aimerais souligner, en fait, que c'est le lancement de la campagne de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, je voulais le souligner, c'est le 15 mars, en fait, ce lancement-là. Puis, je vais lire la résolution en question. Alors, considérant l'échéance du mandat d'un membre citoyen le 2 mars 2022 au sein du comité de suivi de la politique de la famille et des aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que 2 postes à titre de membre citoyen au sein du dit comité sont vacants, considérant que Mesdames Émilie Brevert et Sylvie Brousseau ont manifesté leur intérêt afin de siéger au sein de ce comité, considérant les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, par lesquelles le conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider de le renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie d'un des comités de la ville, en conséquence, je propose que ce conseil nomme Mesdames Émilie Brevert et Sylvie Brousseau à titre de membres citoyens au sein du comité de suivi politique de la famille et des aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. Qui veut appuyer? J'appuie. Merci, M. Morin. Membre du conseil, vous êtes tous d'accord? Oui. D'accord. Passons donc à l'item 21, comité de pilotage local, municipalité Amis des aînés, MADA, nomination d'un élu responsable du dossier aîné à la MRC. Madame Georget. Donc, considérant qu'il y a une demande d'aide financière qui avait été déposée en octobre 2020 par la MRC pour une démarche collective de plusieurs municipalités sur notre territoire, cette demande-là a été acceptée. Donc, 5 municipalités ont adhéré à la demande commune, soit Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belle. Donc, considérant que selon l'article 3.3 de la Convention d'aide financière intervenue avec le secrétariat aux aînés, chacune des municipalités participantes doit adopter une résolution autorisant le renouvellement du comité de pilotage MADA, décrivant son mandat, dont la réalisation de la politique municipale des aînés et son plan d'action, considérant que chaque municipalité participante doit réserver au sein de son comité de pilotage au moins 2 sièges pour des personnes représentantes des aînés, organismes ou personnes aînées qui sont reconnues et engagées dans leur communauté
et un siège pour un élu responsable du dossier des aînés dans la municipalité, considérant la résolution 2021-438 du 6 décembre 2021, par laquelle Mme Isabelle Thibault, conseillère municipale, et M. Marcel Leboeuf, conseiller, ont été désignés par le conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire à titre d'élu responsable du comité de suivi de la politique MADA. Donc, je propose que ce conseil autorise le renouvellement du comité de pilotage local MADA, donc qui sera composé de Mme Isabelle Thibault, M. Marcel Leboeuf et Mme Elisabeth Quentin, qui est la responsable administrative. Ensuite de ça, on a aussi Mme Lucie Blanchet, qui est substituée, Mme Elisabeth Roberge, qui est citoyenne, Mme Gaëtane Gagnon, aussi comme citoyenne, Mme Émilie Brevert, membre citoyenne du comité, et Mme Sylvie Brousseau, aussi comme citoyenne. Donc, ce comité-là est pour mandat de voir au bon fonctionnement de la démarche, notamment de faire la mise à jour de la politique des aînés de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, pour une période de 3 ans jusqu'au 14 mars 2025. Je propose que ce conseil nomme Mme Isabelle Thibault, conseillère municipale, comme élue responsable du dossier des aînés pour la ville de Mont-Saint-Hilaire auprès de la MRC, et que M. Marcel Leboeuf soit nommé à titre de substitut. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie, puis je voudrais aussi féliciter les membres citoyens, les élus et les gens de l'administration qui vont être sur ce comité. Parfait. Membres du conseil, vous êtes tous d'accord? Oui. Alors, passons à l'item 22, participation d'un élu et du directeur général aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Rainville. Monsieur le maire, je sais à quel point cet événement vous tient à cœur. À votre agenda bien chargé. Alors, participation aux assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec, il est proposé, que ce conseil autorise M. Marc-André Guertin, maire, et M. Daniel-Éric Saint-Onge, directeur général, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront les 12 et 13 mai 2022 à Québec et autorise le paiement des frais d'inscription au montant de 2 314,05 $, incluant les taxes par personne, ainsi que le remboursement des dépenses encourues. Que les frais d'inscription soient payables à même le poste budgétaire 02-110-00-311 pour le maire et à même le poste budgétaire 02-135-00-311 pour le directeur général et qu'il y a des crédits disponibles qu'en fait foi le certificat numéro 2022-01 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorières en date du 9 mars 2022. Qui veut appuyer? J'appuie. Merci, M. Morin. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Merci. Passons donc à l'item 23, participation d'un élu à la conférence Solutions locales vers la carboneutralité de la Fédération canadienne des municipalités en partenariat avec Globe Forum 2022. Mme Georget. Oui, donc le conseil a autorisé la participation de M. David Morin, conseiller municipal, à la conférence Solutions locales vers la carboneutralité. Donc, ça se tiendra en ligne du 29 au 31 mars prochain et ça impliquera une dépense de 224 $. Donc, considérant qu'il y a les crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat 2022-02 émis par Mme Lapalme, directrice du service des finances et trésorières, en date du 9 mars 2022. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci, M. Meilleur. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Je ne suis pas sûr de bien vous avoir entendu, collègue. Oui, parfait. Donc, item 24, abrogation des résolutions 2020-225 et 2021-119 concernant des emprunts au fonds de roulement. Monsieur Meilleur. Oui, c'est une nouvelle exigence du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, un projet qui n'a pas été réalisé ou qui a eu un mode de financement qui était différent de celui prévu, bien, on doit, en fin de compte, inscrire une dépense de remboursement au fonds de roulement. Donc, la résolution. Considérant la résolution 2020-225 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020, par laquelle le Conseil approuvait la création d'une enveloppe budgétaire à même le fonds de roulement pour l'acquisition de matériel informatique, considérant que les sommes requises pour la réalisation de ces acquisitions ont été puisées à même le budget adopté pour l'année 2020, considérant la résolution 2021-119 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2021, par laquelle le Conseil approuvait une enveloppe
budgétaire à même le fonds de roulement pour la réfection d'un muret sur la rue Saint-Charles, considérant que ce projet n'a pas été réalisé et que le mode de financement requis pour ce projet devra être réévalué. En conséquence, je propose que ce conseil abroge la résolution 2020-225 adoptée lors de la séance du conseil tenue le 6 juillet 2020 et la résolution 2021-119 adoptée lors de la séance du conseil tenue le 6 avril 2021, étant donné que l'emprunt au fonds de roulement visé à donner suite à ces réalisations n'est plus requis. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci, Mme Thibault. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Parfait. Donc, passons à l'item 25, demande de subvention pour l'achat de vélos stationnaires pour la bibliothèque Armand Cardinal dans le cadre du programme On bouge. Monsieur Morin. Oui, en fait, c'est un super beau projet. La résolution, là, c'est l'acceptation par le conseil d'une demande de subvention de la part de la bibliothèque là, Armand Cardinal dans le cadre du projet On bouge. Puis ça vise, là, le projet vise à doter la bibliothèque de vélos stationnaires munis d'une tablette là, pour permettre aux jeunes et moins jeunes de lire en pratiquant de l'activité physique. Donc, c'est ça les objectifs, c'est notamment là, de favoriser l'activité physique, puis bien aussi la concentration. Donc, je vais lire la résolution. Donc, considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire désire se doter de vélos stationnaires munis d'une tablette permettant le travail intellectuel et la lecture tout en bougeant à la bibliothèque Armand Cardinal, considérant que ce projet favorise la santé physique et mentale des citoyens de tout âge et aide également à la concentration dans le cadre d'une activité intellectuelle dans un lieu sécuritaire et accessible à tous, considérant que l'ajout de vélos stationnaires pour la lecture favoriserait le sentiment d'inclusion et de bienvenue auprès des familles ayant des enfants avec des besoins particuliers, considérant le programme d'aide financière On bouge offert par le Fonds en Montérégie dont l'initiative émane du ministère de l'Éducation du Québec, par le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activités physiques et de plein air. En conséquence, je propose que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme On bouge, du Fonds en Montérégie dont l'initiative émane du ministère de l'Éducation par le programme d'aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, et ce, afin de permettre à la bibliothèque Armand Cardinal de procéder à l'acquisition de 4 vélos stationnaires accessibles aux utilisateurs de la dite bibliothèque, que Mme Judith Lagacé, chef de division Bibliothèque Armand Cardinal, soit et est désignée comme mandataire aux fins de ce projet, et qu'elle soit autorisée à signer la demande de subvention ainsi que tout acte ou document donnant effet à la présente. Qui veut appuyer? Oui, j'appuie. Donc, Mme Georget a appuyé. renouvellement de l'engagement de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Oh, excusez-moi, pardon. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui, j'ai cru comprendre par... D'accord. 26. Renouvellement de l'engagement de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour la conservation du martinet ramoneur. Monsieur Morin, une fois de plus. Oui, c'est encore moi. En fait, peut-être des petits points d'information, là, pour ceux qui ne savent pas, bien, le martinet ramoneur, là, c'est une espèce qui est protégée là, en vertu de la loi sur les espèces en péril. C'est une espèce qui a subi là, une baisse marquée là, au Canada pour de multiples raisons, dont notamment la réduction là, du nombre de sites de nidification et de repos. Là, souvent, c'est dans les cheminées, puis les gens, ben, ils pensent que ça cause des risques d'incendie ou peu importe, fait qu'ils vont soit détruire les nids ou il y a de moins en moins de cheminées propices à la nidification. Donc, c'est ça. J'en profite pour rappeler que, selon le gouvernement du Canada, là, mieux vaut ne pas faire le ramonage d'une cheminée l'été, puis que, ben, c'est ça, mieux vaut ne pas détruire les nids parce qu'ils ne sont pas une source, un risque d'incendie. Donc, c'est pas... Maintenant, venons-en à la résolution. C'est un renouvellement de l'engagement de la ville de Mont-Saint-Hilaire, hein, parce que, dans le fond, on montre l'exemple à ce niveau-là, puis on a un engagement de garder la cheminée de l'ancienne école Sacré-Cœur accessible aux martinets ramoneurs, puis on s'engage notamment là, à effectuer le ramonage entre le 1er septembre et le 30 avril, donc quand les martinets sont absents.
Puis, il y a d'autres engagements, là, dont notamment de garder l'entrée de la cheminée ouverte entre avril et septembre. Donc, maintenant, la résolution. Je propose que ce conseil autorise la signature d'une lettre d'engagement de conservation du martinet ramoneur avec le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire, par laquelle la Ville s'engage à conserver la cheminée de l'ancienne école Sacré-Cœur accessible au martinet ramoneur, que le directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, ou en son absence, la directrice par intérim du dit service, soit et sont autorisés à signer la lettre d'engagement. Qui veut appuyer? J'appuie. Merci, Mme Thibault. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Parfait. Alors, je vous encourage, concitoyennes et concitoyens, d'aller voir le spectacle des martinets ramoneurs qui rentrent dans la cheminée de l'école Sacré-Cœur. C'est quand même assez impressionnant. Item 27, compte rendu de la réunion ordinaire du 20 janvier 2022 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Georget. Je tiens à dire que cette réunion n'était pas ordinaire, elle était extraordinaire. C'est vraiment des citoyens engagés qu'on a là. Donc, je propose que ce conseil accuse réception du compte-rendu de la réunion un peu ordinaire du 20 janvier 2022 du Comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Qui veut appuyer? J'appuie. Merci, M. Meilleur. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Alors, passons à l'item 28, procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Madame Thibault. Évidemment, c'est toujours des réunions extraordinaires au CCU. Donc, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et j'appuie. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Parfait. Alors, passons à l'item 29, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les numéros suivants. Excusez-moi. CCU... c'est correct, je vais le faire. Oui, c'est ça. Alors, considérant... Oui, en rapport avec l'ordre du jour. Merci. Donc, M. Rainville, allez-y. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal, il va falloir que vous veniez, M. le maire, faire un tour au CCU. Vous allez tout voir ça. Oui. Considérant les recommandations du procès-verbal du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire touchant les projets suivants, CCU 2202-2207 à CCU 2202-2218 et CCU 2202-2220, compliqué celui-là, à CCU 2202-2227. Oui, c'est tout. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement, aux modifications requises ou aux compléments d'informations exigés aux dites recommandations. Qui veut appuyer? Je vais l'appuyer. Merci, Mme Thibault. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Merci. Item 30, plan d'implantation et d'intégration architecturale, numéro CCU 2202-2228. Mme Thibault. Oui. Donc, c'est un refus dans ce cas-ci, un refus qui est en lien avec une question des volumes des bâtiments proposés, une question de profondeur et d'intégration avec le secteur environnant. Donc, je vais lire la résolution. Considérant la recommandation du procès-verbal du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le projet suivant, CCU 220-22-228, donc c'est le 108 rue Provencher, les lots 6468-408 et 6468-409, révision du PIA CCU 21-12-14-33, construction de deux habitations bifamiliales isolées. Considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, en conséquence, je propose que ce conseil approuve la recommandation et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés à la dite recommandation. Qui veut appuyer? J'appuie.
Merci, Mme Georget. Êtes-vous tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Oui. Merci. Nous serions donc rendus à l'item 31, demande de dérogation mineure relative au 768 rue des Chardonnerets. Mme Thibault. Oui. Donc, je vais lire le résumé de la dérogation mineure. Donc, il s'agit en fait de la résidence 768 rue des Chardonnerets. Sa demande vise la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 768 rue des Chardonnerets, Mont-Saint-Hilaire. Elle a pour but d'autoriser deux murs de soutènement situés en cour latérale droite d'une hauteur atteignant 2,07 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une hauteur maximale de 1,80 mètres pour les murs de soutènement situés en cour latérale et arrière, permettant ainsi une dérogation de 0,27 mètres. Cette demande a également pour but de permettre que ces deux murs de soutènement, qui sont d'une hauteur supérieure à 1,20 m, soient composés de blocs de béton architecturaux, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que les murs de soutènement présentant une hauteur supérieure à 1,2 m doivent être réalisés en pierre naturelle ou par enrochement, permettant ainsi une dérogation sur le type de matériaux utilisés. La demande a pour but de régulariser l'implantation des deux murs de soutènement existants. J'aimerais savoir s'il y a des questions à cet effet-là. Il n'y a pas de questions en ligne ni questions par courriel, M. le maire. Merci. Donc, nous pourrions procéder. Alors, je vais lire la résolution. Donc, considérant la... Excusez-moi juste un instant. Est-ce qu'il y avait une question dans la salle sur la dérogation mineure? Pardon. Juste vous présenter au micro et vous présenter, s'il vous plaît. C'est un mur de soutènement. Oui, mais qu'est-ce qui est en pierre? C'est qu'en principe, les matériaux utilisés devraient être de l'enrochement. Des pierres naturelles. Des pierres naturelles et il y a un autre matériau qui va être utilisé. Parce qu'il est supérieur de 27 cm, en fait. Par rapport au niveau du sol, est-ce que ça va être vu? C'est dans le cour arrière, cour latéral. Donc, latéral, ça risque d'être vu de la rue? Oui, mais c'est... as-tu un commentaire là-dessus, toi? Je n'ai pas le plan. En fait, c'est cour latéral. Fait qu'est-ce que ça va être vu de la vue? C'est quand même en retrait, là. C'est derrière la maison, mais c'est sur le côté. Donc, ça risque d'être vu de la rue. Donc. OK. Et pourquoi la pierre naturelle n'est plus exigée? Je vais devoir regarder le rapport pour vous répondre. Je n'ai pas la réponse sous les yeux maintenant. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Claude. En fait, le permis de construction, M. Saint-Onge, vous me corrigerez si je me trompe, le permis de construction avait déjà été attribué pour ce projet-là. Alors, la dérogation fait l'objet seulement du mur de soutènement et de la hauteur, incluant le choix des matériaux. Donc, ça demandait une dérogation. Ce que le requérant a fait, mais je pense que, si je ne me trompe pas, les travaux étaient déjà commencés. Non, c'est déjà construit, c'est juste de régulariser la situation au point de vue de l'acte notarié, c'est tout. Donc, c'est déjà construit. C'est déjà construit. Ah bon. Alors, donc, ça ne donne rien. Mais est-ce que c'est une maison ancienne? Non. Non, c'est un nouveau projet. C'est sur la rue des Chardonnerets, ce sont toutes des maisons nouvellement construites depuis les dernières années. Là. C'est tout récent. Oui, OK. Bon, c'est correct. Ça va? Oui, merci quand même. Bien, je vous remercie. Pour faire votre question. Alors, si je n'abuse, la lecture de la résolution doit être... Je dois faire la lecture de la résolution. Je vais le faire à l'instant. Je clique. Considérant la recommandation CCU 220-222-04 du procès-verbal du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire touchant la demande de dérogation mineure relative au 768 rue des Chardonnerets, considérant que ce projet respecte les critères établis au règlement numéro 1236 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures pour l'obtention d'une telle dérogation », je propose donc que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 768 rue des Chardonnerets à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 5 902 031 au cadastre du Québec. Cette demande a pour but d'autoriser deux murs de soutènement situés en cour latérale droite d'une hauteur atteignant 2,7 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une hauteur maximale de 1,8 mètres pour les murs de soutènement situés en cour latérale et arrière, permettant ainsi une dérogation de 0,27 mètres. Cette demande a également pour but de permettre que ces deux murs de soutènement, qui sont d'une hauteur supérieure à 1,2 mètres,
soit composé de blocs de béton architecturaux, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que les murs de soutènement présentant une hauteur supérieure à 1,2 m doivent être réalisés en pierre naturelle ou par enrochement, permettant ainsi une dérogation sur le type de matériaux utilisés, le tout selon les conditions énoncées à la recommandation CCU 220-222-04 du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et tel qu'il appert au certificat de piquetage préparé par M. Vital Roy, arpenteur géomètre, daté du 15 septembre 2021, portant le numéro de minute 56-297, ainsi que l'avis technique réalisé par M. Christian Tremblay, ingénieur, daté du 13 juillet 2021, joint à la présente résolution respectivement comme annexe A et B pour en faire partie intégrante. Cette demande de dérogation mineure a pour but de régulariser l'implantation des deux murs de soutènement existants. Qui veut appuyer? Alors, j'appuie. Je m'excuse, malheureusement, on ne peut pas poser de questions. Dans la dérogation, je mentionne la hauteur, je mentionne les matériaux. Oui, tout à fait. Merci pour votre intervention. Non, merci. Alors, qui veut appuyer? J'appuie. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Passons à la prochaine demande de dérogation mineure relative aux 60 rue Fisher, l'écocentre régional. Monsieur Morin. Oui, donc c'est ça, c'est sur la rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire. Puis c'est des dérogations mineures là, qui visent le site là, pour l'écocentre régional. Donc, il y a un certain nombre de dérogations qui en résultent. Là. Donc, je vais lire le résumé de la dérogation mineure. Donc, elle a pour but d'autoriser un bâtiment accessoire d'une hauteur de 6,04 mètres, alors que le règlement du zonage numéro 1235 prescrit une hauteur maximale de 5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,04 mètres et l'implantation du dit bâtiment à 1,8 mètres d'un bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit que tout bâtiment accessoire doit être situé à au moins 4 mètres du bâtiment principal, permettant ainsi une dérogation de 2,2 mètres. Cette demande a également pour but de permettre 28 containers hors sol implantés en cour avant et 12 containers au sol implantés en cour latéral, alors que le règlement de zonage prescrit que les conteneurs hors sol doivent être implantés en marge et en cour arrière, permettant ainsi une dérogation sur la localisation des containers hors sol. De plus, cette demande a pour but de permettre l'implantation de 41 conteneurs hors sol pour les matières recyclables, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit un maximum de 1 conteneur à matière recyclable par bâtiment. Il y a 3 bâtiments là, sur le site, permettant ainsi une dérogation de 38 conteneurs hors sol pour les matières recyclables. Et finalement, cette demande vise à permettre l'implantation des conteneurs hors sol qui ne sont pas remisés dans un enclos à déchets, alors que selon le règlement de zonage, les conteneurs doivent être dans un enclos à déchets, permettant ainsi une dérogation là, afin de permettre cette implantation de conteneurs-là. Puis, c'est ça, juste mentionner qu'il y a une condition là, à la dérogation mineure, là, comme je vais le montrer. Quand je vais lire la résolution, là, c'est... Le demandeur devra fournir là, un plan d'aménagement paysager là, pour qu'il y ait des végétaux fournis 4 saisons là, par année. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions à l'égard de cette demande de dérogation mineure? Je n'ai pas de questions en ligne et je n'ai pas de questions par courriel. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Juste vous identifier, s'il vous plaît, pour l'effet d'enregistrement. Merci. J'ai regardé sur Google le bâtiment et on voit derrière le Mont-Saint-Bruno, si j'ai bien... Ça ne doit pas être la bonne localisation parce que le bâtiment n'est pas encore sur Google. Ça a été construit au mois de novembre. Oui, mais c'est seulement la structure. C'est où il y a l'éco-centre. Donc, on ne voit pas Saint-Bruno de ce côté-là puisque c'est du côté opposé de la rue Grande-Allée. OK. Mais alors, c'est... Bref, il y a une montagne derrière.
C'est dans le quartier industriel. En arrière-plan, je vais revérifier. Mais ce que je constate, c'est qu'on va placer des conteneurs sur la rue plutôt qu'en arrière-cour. C'est l'éco-centre, donc il y a simplement une petite cabane pour présentement là, pour l'accueil des citoyens qui viennent. Donc, c'est tous les sites de traitement des matières résiduelles qui sont faits là dans les conteneurs. C'est pas sur rue, c'est vraiment sur la propriété de la MRC. C'est vraiment dans le fond de la cour. Ça demeure que c'est sur les rebords, mais c'est pas sur la rue directement. Okay. Là. Donc, mais vous parlez de permettre un bâtiment de 1 point quelques mètres de plus haut. Donc, il y a un bâtiment. Il y aura des bâtiments qui vont être construits définitivement là, pour permettre l'administration de l'éco-centre. OK. Et les conteneurs, ça donne à être dissimulé puisque la rampe pour accéder aux conteneurs est plus élevée. Donc, les conteneurs sont placés de part et d'autre d'un chemin surélevé pour que les citoyens puissent aller déposer les matières résiduelles en vrac qu'ils ont. Mais malgré le fait qu'il soit dissimulé, il va quand même y avoir de la végétation en périphérie pour que le site ait quand même une certaine allure et que ça n'ait pas de l'air de tout simplement là, d'un site de dépôt pêle-mêle. Donc, il y a quand même un souci esthétique, mais il fallait rendre compte du fait qu'on n'autorise pas habituellement ce genre de pratique-là pour d'autres industries qui sont situées dans le parc industriel. Oui, OK. Je veux juste ajouter un commentaire. J'apprécierais tellement qu'il y ait des documents visuels sur ces projets que vous présentez qui, finalement, sont des bâtiments, des projets de bâtiments ou de modifications de bâtiments. Alors, vous les avez vus. Moi, j'ai regardé ça sur Internet. Est-ce que j'ai fait une erreur? Là, quand on parle d'un bâtiment, il faut le voir. Alors, j'aimerais beaucoup, je m'adresse davantage à tous, puis en particulier à M. Morin, parce que vous étudiez en urbanisme, vous avez étudié en urbanisme. Alors, j'apprécierais beaucoup que ce soit, qu'on ait des documents visuels, s'il vous plaît. J'en prends bonne note, je vous remercie. Oui, merci. Oui, si vous voulez bien vous présenter au micro, s'il vous plaît. Monsieur Benoît Frappier. Le nombre de conteneurs qui était de 1 par terrain, il y a 3 terrains, ça fait 3. Puis la dérogation mineure, c'est pour 33 conteneurs. Peut-être que j'ai mal compris encore. Oui. C'est 38. Ça n'a pas de sens. Ça fait pas de sens. Il me semble entre 3 et 38. Oui, alors vous comprendrez qu'habituellement, pour une industrie, en fait, on demande un nombre limité de conteneurs. Puis si les conteneurs se remplissent, on demande d'augmenter la fréquence des levées pour limiter le nombre de conteneurs. Dans le cas qui nous intéresse, en fait, ce sont des conteneurs qui sont dédiés à des matières résiduelles spécifiques, votre métal, le bois, le ci, le ça, ce qui fait que ça exige un grand nombre de conteneurs puisqu'on veut faire un tri à la source qui est adéquat et donc on va avoir un conteneur par type de déchets. Il va y avoir certains conteneurs qu'on ne lèvera pas systématiquement parce qu'on ne veut pas que vos taxes augmentent. Donc, on va attendre que les conteneurs soient remplis avec la bonne matière avant de faire les levées. Très bien. Je pensais qu'on voulait faire 12 fois et 12 fois et demi plus de déchets. En fait, ce sont des conteneurs spécifiques à chacun des types de matériaux qu'on va tenter de recycler. Et je vous encourage à y aller à l'éco-centre du même souffle. Vous allez pouvoir voir et quand même, c'est bien aménagé. Et c'est vrai qu'un document visuel nous aiderait peut-être mieux à comprendre la nature de la dérogation. Merci. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc demander qu'on fasse la lecture de la résolution puis son adoption par la suite. Oui, juste un instant, s'il vous plaît. Donc, considérant la recommandation CCU 2202-2206 du procès-verbal du 22 février 2022 du comité consultatif de la ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant la demande de dérogation mineure relative aux 60 rues Fisher, soit le site là, de l'éco-centre régional, considérant que ce projet respecte les critères établis au règlement 1236, soit le règlement sur les dérogations mineures, pour l'obtention d'une telle dérogation. En conséquence, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeubles situés au 60 rue Fisher à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 6 441 149 au cadastre du Québec,
Cette demande a pour but d'autoriser un bâtiment accessoire d'une hauteur de 6,04 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une hauteur de maximale de 5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,04 mètres et l'implantation du dit bâtiment à 1,8 mètres d'un bâtiment principal, alors que le règlement de zonage prescrit que tout bâtiment accessoire doit être situé à au moins 4 mètres du bâtiment principal, permettant ainsi une dérogation de 2,2 mètres. Cette demande a également pour but de permettre 28 conteneurs au sol implantés en cour avant et 12 conteneurs au sol implantés en cour latérale, alors que le règlement de zonage prescrit que les conteneurs hors sol doivent être implantés en marge et en cour arrière. Donc, c'est une dérogation sur la localisation des conteneurs. De plus, cette demande a pour but de permettre l'implantation de 41 conteneurs au sol pour des matières recyclables, alors que le règlement de zonage prescrit un maximum de un conteneur à matière recyclable par bâtiment. Donc, il y a trois bâtiments principaux sur le site. C'est donc une dérogation de 38 conteneurs au sol pour les matières recyclables. Puis finalement, cette demande vise à permettre l'implantation des conteneurs hors sol qui ne sont pas remisés dans un enclos à déchets, alors que le règlement de zonage prescrit que les conteneurs doivent être remisés dans un enclos à déchets. Donc, c'est une dérogation afin de permettre l'implantation des conteneurs hors sol sans enclos à déchets. Donc, le tout selon les conditions énoncées à la recommandation CCU 2202-2206 du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et tel qu'il apparaît au plan d'architecture approuvé par M. Stéphane Barcelot, architecte daté d'octobre 2021, portant le numéro de dossier SAB 2102-23, et selon le plan projet d'implantation préparé par M. Kevin Hickey, ingénieur, daté du 19 février 2021, feuillet C01 et annoté par le service de l'aménagement du territoire et de l'environnement le 7 février 2022, joint à la présente résolution, respectivement comme annexe A et B, pour en faire partie intégrante. D'accord. Monsieur Saint-On, je pense que vous vouliez ajouter... Je voudrais juste, avant le vote, peut-être juste préciser une petite information. Quand on parle de conteneurs, là, on ne parle pas tout le temps nécessairement pour un éco-centre, là, des gros conteneurs, juste en le visuel, d'avoir 41 conteneurs alignés en flèche. Là. Il y a vraiment comme il y a le conteneur de récupération de verre qu'on a ici dans le stationnement des loisirs. Il y a des petits conteneurs pour quand c'est des matériaux plus petits qui peuvent être ramassés. Des petits conteneurs à peinture, quand vous ramenez vos RDD, là, ça n'a pas plus petit qu'une Swift. Là. C'est vraiment des petits conteneurs. Donc, c'est plusieurs types de conteneurs à différents endroits sur le site. Ce n'est pas 40 ou 39, 38 conteneurs en ligne un après l'autre qui font un mur pleine longueur. Donc, c'est vraiment réparti sur l'ensemble du site à différents endroits. Et comme je pense que j'ai malheureusement reçu le visuel, mais le problème technique nous fait qu'on ne peut pas vous le montrer ce soir. Je vais m'assurer que c'est la première séance publique depuis la COVID. Mais généralement, j'ai toujours un visuel qui est disponible quand il y a des questions. Donc, je pourrais m'assurer là, qu'on puisse présenter lors des prochaines séances. Donc, vous pouvez passer au vote, ceci étant dit. Alors, quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Parfait. Alors, passons à la dernière demande de dérogation mineure, soit celle relative au 880 chemin de la montagne. Monsieur Leboeuf. Alors, considérant la recommandation CCU-220-222-05 du procès-verbal du 22 février 2022, du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant la demande de dérogation mineure relative au 880 chemin de la montagne. Considérant que ce projet respecte les critères établis au règlement numéro 1236, intitulé « Règlement sur les dérogations mineures » pour l'obtention d'une telle dérogation. Alors, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 880 chemin de la montagne dans Mont-Saint-Hilaire, soit le lot actuel 4 302 620 au cadastre du Québec. Cette demande a pour but d'autoriser un projet de subdivision du dit lot afin de créer deux lots distincts, soit le lot projeté 6 490 266 au cadastre du Québec,
sur lequel est située la maison existante, et le lot projeté 6 490 267 au dit cadastre afin d'y ériger une seconde résidence. Elle a pour but d'autoriser pour le lot projeté 6 490 266 sur lequel est située l'actuelle maison une profondeur de lot de 46,18 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une profondeur minimale de lot de 50 mètres, permettant ainsi une dérogation de 3,82 mètres. Le tout selon la recommandation CCU-220-222-05 du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2022 du Comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire et tel qu'il apparaît au plan cadastral parcellaire préparé par M. François Lafleur, arpenteur géomètre, daté du 10 décembre 2021, portant le numéro de minute 417, joint à la présente résolution comme annexe A, pour en faire partie intégrante, ainsi qu'au plan projet d'implantation préparé également par M. Lafleur, daté du 22 novembre 2021, portant le numéro de minute 404, joint à la présente résolution comme annexe B, pour en faire partie intégrante. Monsieur le maire, avant de passer au vote, puisque la résolution a été lue, je passerai à la période de questions avant. Et s'il n'y en a pas, vous pourrez demander l'appuyeur et le vote, si vous êtes d'accord, pour faciliter le devoir de la greffière. Ça vous va? Oui. Donc, je n'ai pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y a une question en salle? Alors, vous approchez du micro, posez la question à voix haute en vous identifiant toujours, malheureusement. Oui. Rebonsoir. Monique Comtois, c'est sur le chemin de la montagne. Et si j'ai bien compris, ça autorise la construction de deux maisons, d'une nouvelle maison à côté d'une maison existante. C'est la subdivision d'un lot, oui, en deux lots. Oui. La dérogation porte sur la taille et la profondeur du lot qui déroge du règlement qui est de 50 mètres. Donc, il y a une petite différence au niveau de la profondeur du deuxième lot. Oui, OK, mais ça permet la construction d'une autre maison. Et avez-vous des informations sur cette... On n'a pas d'informations sur la maison actuellement parce que la dérogation porte uniquement sur la subdivision du lot. La maison était située d'un côté, ça avait été déménagé sur le grand lot, et là, ça va subdiviser le lot en deux, puis on n'a pas de projet, d'autres projets, là, par contre, là-dessus. C'est juste la subdivision des lots et la dérogation sur la profondeur du lot. C'est tout. C'est le sujet de la dérogation. À moins que je me trompe, M. Saint-Onge? Je pense que M. Saint-Onge a un complément d'information. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment c'était clair, mais je veux juste aussi préciser que c'est une dérogation mineure qui avait été octroyée dans le passé, mais comme le délai de 24 mois du règlement était passé, la dérogation devient invalide. Maintenant, ils ont refait la demande, ils sont prêts à procéder. Et lorsqu'on parle de dérogation mineure, c'est que si le lot avait eu 50 mètres au lieu de 46,13, d'emblée, ils auraient pu le subdiviser et le faire et avoir le même projet de construire une résidence. Je vais faire deux choses. On considère que le conseil, selon ce que j'entends et le vote qui se fera, une dérogation mineure de 3,82 mètres au lieu de 50 mètres de façade. Et je vous rassure que seule une raison unifamiliale peut être construite et non pas autre projet là, qui pourrait être visé sur la propriété. Mais malheureusement, les dérogations ne peuvent pas être considérées autres que pour la demande qui est la façade sur rue du lot visé. Merci. C'est plus clair. Oui, OK. C'est que je pense à un projet sur le chemin de la montagne qui a été construit. C'est une maison unifamiliale, mais il y a eu une autre maison qui était existante, qui a été rénovée. Il y a eu un garage, il y a eu une grange. Alors, c'est ce que je crains qu'il se produise dans ce cas-là. Et ce complexe de résidentiel est exactement placé à l'endroit où autrefois on voyait les montagnes au loin, sur le chemin de la montagne. Alors, ma préoccupation, c'est, oui, c'est bien de diviser le lot, mais regardons plus loin pour voir c'est quoi l'impact éventuel de la construction. Et c'est à ce moment-là où le PIA, auquel sera assujettie la demande de permis pour une éventuelle construction, c'est là où le PIA sera appliqué et que l'analyse vit, en fait, qui devrait trouver réponse à votre appréhension sera faite, mais en ce moment... Mais alors, oui, OK, merci. Mais je suis contente de souligner le complexe d'habitation qui a été construit comme référence à éviter comme
type d'aménagement résidentiel à éviter sur le chemin de la montagne. Mais on parle bien d'une seule résidence, unifamiliale. Je ne vais pas nommer le nom de famille, là, mais on parle des habitations qui sont couleur jaune, jaune plutôt maïs, du côté sud, non, du chemin de la montagne. Je ne crois pas qu'on parle de cette résidence-là. Non, on ne parle pas de celle-là. Mais moi, je vous parle de ce complexe d'habitations qui a été construit, dont une grande habitation centrale. Vous parlez d'un autre projet là, qui est déjà construit, là. Oui, jaune, c'est ça. Jaune maïs, oui. Okay. Oui, c'est ça. Et ce projet-là a respecté le PIA. Alors, imaginez qu'est-ce que... De regarder le futur et d'éviter, s'il vous plaît, ce genre de multiplication de bâtiments sur un ensemble. J'en prends bonne note, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait d'autres mains levées. Oui, rapidement, M. Morneau, ensuite M. Héroux, si je ne l'abuse. Là, j'ai la misère à suivre. Là. C'est quoi qu'on va voter présentement sur cette dérogation-là, mais juste un point pour clarifier dans ma tête. Si je comprends bien, c'est la dérogation mineure, c'est pour diviser un lot, ou ce qui est déjà divisé, ou on veut le diviser, ou... Pour autoriser une subdivision de lot, mais le lot qui sera issu de ce processus-là va faire 46 mètres au lieu de 50. 46 mètres au lieu de 50. Parce que mon point que je veux soulever ici, on parle souvent de l'aspect champêtre de Mont-Saint-Hilaire, puis on parle que le chemin de la montagne, c'est la carte postale de Mont-Saint-Hilaire. Puis on a donné comme argumentaire dans le passé qu'on voulait préserver sur le long du chemin de la montagne des maisons très espacées, justement pour avoir les percées de vue sur la vallée et sur les montagnes. Puis là, bien, si on commence à diviser les lots sur le chemin de la montagne pour permettre une autre maison unifamiliale, on diminue l'aspect champêtre, à mon avis, puis on va commencer à bloquer les vues sur la vallée et sur la montagne. Moi, en ce qui me concerne, je m'opposerais à une subdivision de l'eau sur le long du chemin de la montagne. Merci. Un autre commentaire? Jean-Yves Béroux. Moi aussi, j'ai de la difficulté à suivre un petit peu là, par rapport à ce terrain-là. Je suis allé voir sur Google, je suis plutôt visuel. C'est pour ça que je suis d'accord avec Mme Comtois là, que ça prendrait une présentation visuelle là, pour qu'on soit en mesure de bien comprendre les choses. Sur Google, c'est la petite maison blanche dont il s'agit. Le terrain de façade, il me semble qu'il n'est pas suffisamment large pour une subdivision. Donc, ce que je peux comprendre, c'est qu'on subdivise vers l'arrière. Donc, il va y avoir un droit de passage pour aller à l'arrière de la maison ou quelque chose non. du genre. Là. Non, aucunement. C'est la façade du lot qu'au lieu d'avoir 50 mètres, et c'est le lot qui est déjà construit qui va devenir dérogatoire à, je m'excuse, là, j'ai plus le chiffre, j'ai changé, mais de 3,80 quelques mètres. Mais la nouvelle maison va être construite de sur un lot de 50 mètres de façade sur rue. De quel côté de cette maison? Et la profondeur du lot, ce que je peux voir, devoir avoir une dérogation, parce qu'elle est à 46,18 mètres. Donc, c'est simplement sur la profondeur que doit avoir le lot, mais le lot sur lequel elle sera construite, de ce que je comprends, lui, sera conforme. Donc, c'est la maison, petite maison blanche, je pense que vous avez discuté, là, qui, elle, va devenir dérogatoire en créant le lot, mais la maison est déjà là, elle est déjà sur un lot qui n'est déjà pas conforme aux normes d'aujourd'hui. Mais le fait de le séparer lui enlève la profondeur qu'il y avait à droite, donc ça le rend dérogatoire, et par la dérogation mineure, ça le rend donc conforme légalement. Sauf qu'il y en a même pas moins que sur Internet, là, moi j'ai l'impression que peu importe le côté que ça va être, là, il y a déjà des voisins de chaque côté. C'est ça que je n'arrive pas à figurer là, dans mon esprit, moi-là. Non, on le sait très bien, c'est juste que c'est difficile à expliquer en images. Mm-hmm. Je suis vraiment désolé, mais je vais juste confirmer ce que je vois. C'est que le lot présentement, imaginez-vous, là, mais de ce que je vois sur mesure, la façade du lot a 27 mètres sur un, 27 mètres sur l'autre. Donc, un total là, de façade de ce lot-là sur l'enlignement de la façade de la maison de plus de 43 plus 37 mètres, donc assez grand, là.
La maison qui va se situer entre les deux va être enlignée entre les deux propriétés voisines, comme toute construction, lorsque c'est pas en devancé, c'est pas reculé. Et il y a pour la question de la vue que je ne sais plus qui a soulevé tout à l'heure, M. Morneau, il y a déjà un garage en arrière qui va appartenir à la maison qui va être construite en façade. Donc, il n'y a pas un ajout d'une vue perdue. Il y a déjà un garage en diagonale de la petite maison blanche, un peu plus bas exactement dans le fond, et la maison va être construite devant. Mais quand les demandes vont passer au CCU pour les demandes de PIA pour la construction, tous ces critères-là, d'ailleurs, reviennent faire la discrétion d'une demande de construction à ce moment-là. Et le reste de l'aspect champêtre du chemin de la montagne va être évalué aussi par le PIA à ce moment-là pour la demande de permis de construction de la résidence. Il n'y en demeure pas moins que sur le chemin de la montagne, je suis tout à fait d'accord avec M. Morneau que les terrains, les dimensions actuelles des terrains devraient être conservées par esthétique pour le patrimoine bâti déjà. Il faut garder ça là, champêtre, là, exactement. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. J'ai accepté de la lire, cette chose-là, parce que je suis complètement d'accord avec M. Héroux. On est d'accord aussi ici que le chemin de la montagne, il faut y voir comme la prunelle de nos yeux. Le fait d'accorder ça, pour moi, bien évidemment, c'est une extension de terrain, mais avant qu'il soit bâti quelque chose, bien évidemment, moi, je veux voir, ça va être quoi. Okay? Et, j'abonde dans le sens que notre chemin de la montagne, on le sait, on en parle beaucoup, puis il faut préserver le patrimoine visuel de ce chemin-là aussi. Okay? Alors, c'est pour ça que j'ai accepté, moi, de lire ça. Là. Okay? Mais je comprends les préoccupations. Okay? Avant qu'il soit conçu de quoi, là. Okay? Merci. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un pourra appuyer la demande de résolution? Je vais l'appuyer. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Item 34, octroi du contrat TP21-16 concernant la fourniture et la plantation d'arbres. Monsieur Morin. Oui. En fait, là, c'est une échéance de contrat de service. Bien, le contrat de service venait à échéance. Puis, c'est pour un contrat pour la plantation d'arbres là, de gros calibre, dont 50 mm, pour l'emprise de rue et dans les espaces publics. Il y a eu 4 soumissions reçues, 2 jugées non conformes. Puis, ben, parmi les soumissions conformes, il y en a la plus basse, là, c'est Pépinière Jardin 2000 incorporé au montant de 62 465,92 $ par année pour une durée de 3 ans avec là, des taux horaires indexables à l'IPC. Donc, je vais lire maintenant la résolution plus formellement. Donc, je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Pépinière Jardin 2000 Inc. pour la fourniture et la plantation d'arbres pour les années 2022, 2023 et 2024 au montant de 62 465,92 $ par année, incluant les taxes sur la base des taux unitaires soumis dans le cadre du contrat TP21-16, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au du contrat, considérant que pour la deuxième et la troisième année d'application du dit contrat, les taux horaires soumis seront indexés selon les clauses prévues au document d'appel d'offres. Considérant que la dépense décrite au bon de commande TP22-24 au montant de 62 465,92 $, incluant les taxes pour l'année 2022, soit payable à même le poste budgétaire 02-753-00-522 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire, que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Alors, quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci, Mme Jourchet. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Parfait. Alors, item 35, octroi du contrat
TP21-09 concernant des travaux d'arboriculture. Madame Georget. Donc, des travaux d'arboriculture pour l'élagage, la coupe de frêne qui sont morts. Vous connaissez les ravages de la grille du frêne. Donc, c'est un contrat pour 3 ans. C'est un entrepreneur qui est connu de la ville depuis 2018. Donc, c'est le seul soumissionnaire qui a été reçu, mais son prix était vraiment conforme aux autres travaux du même titre. Donc, je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi les soumissions de paysagistes Prolan de Saint-Hyacinthe au montant de 63 483 $ par année, incluant les taxes, donc sur la base des taux horaires soumis. La deuxième et troisième année, il pourrait y avoir une indexation des taux horaires. La dépense au montant de 63 483 $ décrite au bon de commande pour l'année 2022 est payable au poste budgétaire 02-753-00-522 pour la somme de 36 000 $ incluant les taxes et à même le poste budgétaire 2-470-10-521 pour une somme de 27 000 $ incluant les taxes. Et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est prévue conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, je propose que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Merci. Qui veut appuyer? J'appuie. Merci, M. Meilleur. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. D'accord. Donc, passons à l'item 36, octroi du contrat TP21-18 concernant l'ouverture des terrains de tennis en terre battue. Monsieur Rainville. Oui, alors je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de PC Court Company Limited pour l'ouverture de la préparation des terrains de tennis en terre battue pour les années 2022, 2023 et 2024 au montant de 72 002 $ incluant les taxes sur la base des taux unitaires soumis dans le cadre du contrat TP21-18, étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat, que la dépense décrite au bon de commande TP22-28 au montant de 22 213 $ incluant les taxes pour l'année 2022, soit payable à même le poste budgétaire 02-753-00-522, et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles des contrôles de suivi budgétaire. Que le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document, donnant effet à la présence. Je préciserai, M. le maire, que 5 invitations qui ont été lancées pour ce projet-là. Et que sur les 5 soumissionnaires, il y en a 2 qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils étaient non qualifiés pour la terre battue. Et les 2 autres avaient un carnet de commandes 2022 rempli, ce qui faisait exploser les coûts. Donc, le fournisseur qui a été choisi, si je ne me trompe pas, M. Saint-Onge, c'est le même fournisseur qui prépare les terrains à Belleuil. Non, je pense que lui était un des carnets pleins à Belleuil. Ah, c'était un truc. Ouais. Bref, c'est un fournisseur qui a une expertise en terrain de terre battue qui sont nouveaux à Mont-Saint-Hilaire. Alors, qui veut appuyer la résolution? J'appuie. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Alors, nous sommes rendus à l'item 37, question de l'assistance. Considérant qu'il est, à ma connaissance, 21h35, conformément à nos règlements de régie, je vais prendre 30 minutes de questions, par respect pour mes collègues, notamment qui travaillent demain, qui ont d'autres fonctions. Alors, nous allons procéder, comme d'habitude, aux demandes de questions. Sa question, il reste toujours des noms dans le pot. Est-ce qu'on termine ces questions-là avant de prendre d'autres noms ou c'est vous qui devez me dire? D'accord. Donc, procédons avec les... Mais je tiens juste à vous dire que, donc, à 22h05, on va mettre terme à la période de questions conformément à nos règlements de régie interne. On va prendre 30 minutes de questions considérant l'heure avancée de la séance. Alors, Maître Pierrard, prochaine question. Bien. Conformément à nos règlements de régie, on a une période de questions de 30 minutes.
Il est quand même 22 heures. L'ancienne administration, on avait... La dernière réunion du conseil, vous l'avez terminée à 10h30. Là, vous l'avez initiée à 10h. Quand vous allez avoir fini les réunions du conseil, allez-vous finir à 9h30? Une demi-heure, on n'en a pas assez. La dernière réunion du conseil, M. Leboeuf avait suggéré que M. Saint-Onge essaie de regrouper des questions pour que vous puissiez répondre au plus de questions possibles. Là, vous nous limitez pour des questions de régie interne. Vous nous parlez dans votre dépliant de transparence. Ce n'est pas de la transparence, ça. On n'a pas le temps de poser des questions que vous nous renvoyez chez nous. Et on doit se faire... Nous aussi, on travaille. Moi, je ne travaille pas, là, mais il n'y a pas juste vous qui travaille. Je vous remercie. Alors, commençons par les questions, puis on verra. Alors, je vous invite tous à demander des questions, à poser vos questions brièvement. Je vous remercie. Madame Pierrat. Jean Quentin. Bonsoir, M. Quentin. Bonsoir. Écoutez, Jean Quentin, je suis au 544 des Falaises, moi, à l'entrée sur, c'est-à-dire, adresse sur des Falaises, entrée sur du sommet. Alors, mes questions regardent l'entrée piétonnière, toujours qu'on veut faire à partir de la rue du Sommet. Premièrement, est-ce que ça va se réaliser? Ma première question. Deuxièmement, votre prédécesseur nous avait répondu à l'époque que c'était à la demande des gens de la rue du Sommet que c'était fait. Alors qu'il y avait une pétition qui avait circulé, je pense qu'il y avait 92 signatures, quelque chose comme ça, qui était contre. Alors, je voulais savoir, moi, qui, est-ce que c'est possible de savoir où il faut s'adresser, c'est possible de savoir qui désirait ça, effectivement, ou si c'est pas simplement pour libérer l'entrée sur la rue de Montagne, là, le tour de la Montagne, au sud. Également, la question des stationnements, là, que ça s'est rendu ridicule, là. C'est un haut parking du côté, on appelle ça le sud, là, mais en fait, moi, ce serait plus du côté est, là. Et ça prend les vignettes du côté, de l'autre côté de la rue de chez moi. Il n'y a pas de trottoir. Alors, la fin de semaine, c'est plein de piétons. C'est un cul-de-sac à la fin. Et ça va être le bordel, excusez-moi l'expression, le bordel complet. Moi, quand j'essaie d'arracher mes mauvaises herbes l'été, moi, je suis directement sur le coin de la rue. Je me fais emmerder à peu près 7 à 8 fois aux 2-3 heures pour savoir comment se rendre au parc. Alors, je trouve ça inquiétant. Le fait que ce soit un cul-de-sac, ça veut dire que ça va devenir... Les gens vont savoir qu'il y a une entrée là, même si on nous dit que c'est pour les gens de la rue du Sommet. Ça va être l'enfer. Là. Premièrement, il n'y aura plus moyen d'avoir les piétons. On n'a pas de trottoir. Puis, ça va être complètement bordélique avec le cul-de-sac à la fin de la rue, à moins que vous ayez une autre idée. Là. Mais je me demandais si ça va être fait ou si on va suspendre ce projet-là. Donc, en ce moment, on fait... Un constat comme le vôtre, là, c'est-à-dire qu'il y a des questions de signalisation, de stationnement, d'accès, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu à ce moment donné-ci. On fait le même constat, puis on va dans les jours à venir, en fait, trouver des éléments de solution puis tenter de les communiquer le plus rapidement possible. À ce moment donné-ci, je ne peux pas vous en communiquer davantage, il y a vraiment beaucoup de questions associées aux accès, que ce soit... nos fournisseurs de services pour les contraventions ou autres. Il y a beaucoup de choses à parfaire. Puis j'espère promptement vous revenir avec des éléments de réponse. Mais j'entends vos préoccupations. Il n'y a pas moyen d'avoir une consultation des gens des Falaises et du Sommet? Comment? Donc, nous allons envisager la chose. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Y a-t-il une autre question? Oui, un regroupement de questions. Il y a une question en ligne de M. Guillaume Chevalier qui demande, je vais résumer sa question, M. le maire, qu'il demande de donner suite à ses demandes de changer la réglementation municipale sur la longueur de l'herbe dans les secteurs urbains, puisqu'il serait considéré plus favorable pour l'environnement de laisser le gazon pousser au lieu de le couper plus court. Il est à sa quelque deuxième ou troisième demande de la sorte avec le conseil. Il trouve les délais un peu longs. Et donc, il aimerait une révision du règlement suite à une émission de constat d'infraction. Et sinon, monsieur, donc ça demande à la possibilité au conseil de revoir sa réglementation sur ce sujet-là. On en prend bonne note, puis ça fait notamment
partie de certaines de nos préoccupations, notamment associées avec Ville Amie des Abeilles. Puis on a en fait un bon nombre de modifications réglementaires qu'on aimerait mettre en œuvre promptement. Mais en ce moment, je ne peux pas déterminer de délai, mais ça fera définitivement l'objet de nos réflexions, puis ça sera définitivement intégré dans notre planification stratégique pour les mois à venir et les années à venir. Prochaine question. Jean-Yves Héroux. Bonsoir, M. Héroux. Rebonsoir. J'avais déjà des questions prévues pour la première période, là, qui concernaient notamment le point 8. Point 8, ça semble un petit peu bizarre, là. C'est un procès verbal, donc habituellement, il n'y a pas trop de questionnements par rapport à un procès verbal. Sauf qu'on se rappelle la réunion du 17 février, comme M. Duval l'a mentionné tantôt, ça s'est arrêté assez brusquement avec des candidats, pas des candidats, mais des citoyens pour lesquels leur question n'a pas été répondue. Puis je pense, si je ne me trompe pas, qu'il en restait encore une vingtaine qui n'avaient pas trouvé réponse. On est tous des payeurs de taxes. Il me semble qu'on a le droit d'être respecté et puis d'être répondu aux questions que l'on pose au conseil, aux membres du conseil. Ceci dit, j'aurais aimé ça voir dans le compte rendu une note précisant qu'à la fin de la période de questions, il demeurait encore une vingtaine de questions qui n'ont pas été répondues. Puis, idéalement, mais de souhaiter que les gens reviennent pour déposer ces questions-là. Je vous remercie pour votre commentaire. C'est quand même 1h40 de questions, puis plus de 70 questions. Mais à ce moment-là, comme vous l'avez fait ce soir, mais peut-être un petit peu en avance, mais pas juste une demi-heure, là, parce qu'il y a beaucoup de questions des fois. Oui. Surtout quand c'est de la régie interne, là, bien, on peut exercer notre pouvoir de flexibilité aussi, là. Il y avait une autre question que j'avais par rapport au 84 Osias-Leduc. 84 Osias-Leduc, là, on parle de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Ça, c'est dans les PIA, là. Il y a déjà une maison sur ce terrain-là. Est-ce que ça veut dire que la maison va être démolie et puis reconstruite ou une subdivision de terrain? Parce que nous, on ne parle pas de subdivision de terrain à cet endroit-là, là. Je crois qu'on va prendre bonne note de votre question, puis on va vous revenir avec des éléments de réponse. Je ne peux pas vous répondre à brûle pour point, là. Puis quand vous répondez ça, là, qui revient? Alors, à ma connaissance, M. Saint-Onge, lorsqu'on demande de revenir avec un élément de réponse, c'est habituellement, est-ce que c'est le greffe ou c'est la direction générale qui revient? C'est le service concerné. Il y a quelques citoyens dans la salle que je connais bien qui arrivent, qui posent des questions et qu'on leur revient. Donc, le service va répondre. D'ailleurs, ils sont tous à l'écoute ce soir. Donc, si la question, je m'excuse, je n'ai pas capté, je suis en train de lire les questions en ligne, la question, mais si c'est relatif à un sujet du service d'aménagement, le service d'aménagement vous répondra. Si c'est le service des loisirs, le service des loisirs, donc, ils ont votre nom, ils vous connaissent, ils vont vous contacter normalement dans la semaine qui suit, dépendamment de la question, pour vous expliquer la situation. Ça peut aussi se faire par écrit. Des fois, les gens préfèrent les traces. C'est vraiment à votre guise, mais il y a un appel qui va être fait par le service concerné. Okay. Je m'excuse, la greffière a repris la question en note pour le service, puis on pourra vous revenir au courant de la semaine. OK, merci. Je m'excuse, à moins que le conseil précise qu'ils vont vous revenir lors de la prochaine séance. Ça arrive selon certaines questions que le dossier relève du conseil. Ça arrive, mais ça arrive souvent qu'on n'a pas de nouvel écho, là, par la suite. Parce qu'on peut l'oublier aussi, là, d'une réunion à l'autre. Là, il se passe 4 semaines habituellement. Puis je vous invite à poser votre dernière question, s'il vous plaît. Ben, là, j'en ai quelques-unes. Mais juste par égard, vous pourrez revenir par la suite, mais une dernière, je vous remercie. Vous mentionnez que bon, il n'y a rien de spécial, là, il n'y a rien d'exceptionnel dans la zone A16. Pourtant, le PEMAD, lui-là, reconnaît que les vergers constituent des caractéristiques exceptionnelles. Puis, il faut protéger ces milieux-là et en faire la mise en valeur. Peu importe, c'est pas indiqué, là, si on va à la page 180 du PEMAD, là, c'est pas indiqué qu'il faut absolument que ça soit en zone agricole. Okay? Un berger, c'est un berger, là, et puis il faut les protéger, ces milieux-là. Le SAR, lui-même aussi, prévoit dans la partie d'aménagement 1, la section 3, de protéger les bergers pour des fins récréo-touristiques dans le respect de leur vocation première. Okay? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas changer la vocation.
La partie 3, à la section 5.3, là, c'est notamment, hein, je n'ai pas tout relevé, là, parce que, puis je veux couper, là, on dit que pour les chemins Osière-Solduc et chemins de la montagne, de maintenir la dominance agricole des bergers. OK? On le sait très bien que dans cette zone-là, on est en milieu urbain, là, mais on dit de maintenir les bergers. Que le développement domiciliaire ou autre, contigu ou à proximité, ne doit pas affecter une homogénéité particulière des bergers. On dit, il y a aussi le courriel de M. Sénécal du mois de novembre qui a été déposé en cour supérieure et puis en cour d'appel aussi, là, qui donnait les 6 étapes à franchir, mais qui était accompagné aussi d'un document qui indiquait que le verger AR18, pas le verger, mais le boisé AR18 pouvait être requalifié en passant de la catégorie 3 à la catégorie 1, ce qui faisait en sorte que la ville n'avait pas à acquérir 50 % du boisé. C'était suggéré par M. Sénécal à M. Morel. Fait que je ne vois pas pourquoi que ça qu'il aurait changé d'idée là, depuis 2016. Et l'autre chose, on a entendu dire que le Centre de la nature avait eu le mandat de faire la caractérisation de la zone A16. Okay, il a reçu le mandat probablement en janvier, j'imagine, là, parce que vous êtes arrivé en fonction au mois de novembre, puis le temps de prendre connaissance des dossiers, puis le jugement est arrivé aussi entre-temps, et qu'il devait déposer ses recommandations prochainement. Comment peut-il faire de la caractérisation en plein hiver? Pouvez-vous m'expliquer ça? Est-ce que je reprends chacun des éléments? S'il vous plaît. D'accord. Donc, à l'égard des vergers, il faut comprendre que j'entends là, vos recommandations à l'égard de savoir que tous les vergers comptent. Je tiens juste à vous dire que le Conseil a pris la décision de supporter activement les pommiculteurs qui sont à l'intérieur de la zone agricole, première des choses. Et on le fait notamment par l'entremise de notre budget en offrant une aide financière à tous les pommiculteurs. Donc, on est vraiment engagé pour les aider. Mais même, les le schéma d'aménagement ne fait pas de différence. Ensuite, un verger, c'est un verger. À l'égard des boisés, en effet, tous les boisés peuvent être qualifiés de niveau 3 à niveau 1 lorsque le propriétaire consent à demander un statut de conservation officiel, notamment dans le cas qui nous intéresse, ça serait le statut de réserve naturelle. Or, le propriétaire ne souhaite pas le faire. Et c'est donc le statut de conservation que le propriétaire appose sur son terrain qui fait monter le niveau. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est inciter le propriétaire à céder son terrain ou à appliquer une réglementation qui nous permettra de le protéger. Mm-hmm. Donc, c'est la nuance qui était... Vous dites autre chose, là. Parce que le... Puis, finalement, je m'excuse, je dois vous interrompre parce que je veux laisser la parole au plus grand nombre de personnes. Puis, le dernier élément par rapport aux caractérisations biologiques, à ma connaissance, le Centre de la nature détient des données à l'égard des boisés de façon générale et spécifiquement des données, parce qu'ils ont à leur emploi des inspecteurs de la flore qui ont un droit qui leur est octroyé en vertu du gouvernement provincial pour aller faire des caractérisations sur des propriétés privées. Donc, à ma connaissance, le Centre de la nature va utiliser l'ensemble de ces données-là pour nous aider à avoir une opinion factuelle. Sur des données qui ne sont pas à jour? Sur les données les plus récentes qu'on puisse obtenir à l'instant, considérant qu'on a un... La ville a le droit, en vertu de la loi sur les municipalités, d'accéder à n'importe quel terrain, malgré le fait que le propriétaire soit en désaccord. Oui. Bon. Ensuite de ça, les documents sur lesquels vous basez, là, vous dites que le Centre de la nature va se baser, mais c'est des documents de 2012, 2018, etc. Là. Je ne me rappelle pas des années pour chaque document. Là. Sauf que Éco de Urbe a fait une caractérisation et puis a démontré qu'il y avait des milieux humides dans le boisé AF18 et puis qu'il y en avait aussi tout près du boisé AF19 des milieux humides qui n'étaient pas répertoriés dans le schéma. Donc, ces milieux-là doivent être considérés aussi, là. Alors que la caractérisation que le Centre de la nature va faire
cette valeur, mais il ne paraîtra pas. Monsieur Gertin, je veux peut-être préciser juste une chose que je trouve importante. Vous n'arrêtez pas de dire que le Centre de la nature va faire. Ce n'est pas ça qu'ils vont faire. Ce n'est pas le mandat qui a été donné. Il faudra vérifier vos sources. Le Centre de la nature, ce n'est pas ça du tout qu'ils font. Ce qui nous aide, c'est aller... Quand on fait une caractérisation... Non, ce n'est pas ça qu'ils font. Arrêtez de dire caractérisation. Ce n'est pas ça. C'est pas le mandat du tout qui a été donné. Fait que vérifiez vos sources, M. Héroux. Mais quel est le mandat qui a été donné? Le mandat qui a été donné à l'association est simplement de nous caractériser les boisés pour aller chercher les subventions avec la trame bleue, la trame verte, pour aller acheter ces boisés-là et les protéger à 100%, comme le maire a répété dans plus de 100 communiqués oral et verbal et écrits depuis plusieurs mois. Donc, le but, le mandat, c'est vraiment ça. C'est de protéger les boisés à 100% et d'aller chercher l'argent qui est disponible avec la trame bleue, trame verte de la CMM sur le processus sur lequel le maire s'est engagé publiquement à agir. Donc, ce n'est pas un mandat de caractérisation de la zone A16 sur laquelle Avant d'accepter un projet immobilier, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une caractérisation du milieu? Comme dans tous les dossiers du Québec, oui. Bon. Et elle viendra. Mais on n'est pas là aujourd'hui, là. On parle de planification et d'adoption de règlements avant le 11 août. On ne parle pas de commencer à construire des maisons demain matin, là. Donc, avant tout projet, je l'ai répété à plusieurs séances du Conseil, à tous les citoyens, comme dans H60, comme dans le top 2, comme tous les projets de construction, tous les frais, et je le répète encore devant tous les citoyens, l'ensemble des frais de projection des égouts, des chemins, est aux frais des développeurs, pas aux frais des citoyens. Donc, il faut arrêter de dire que ça va coûter cher aux citoyens de développer des infrastructures. Et avant d'avoir l'autorisation d'infrastructure, comme je répète, les CA, les certificats d'autorisation de l'environnement sont nécessaires avec toutes les études. Et bonne nouvelle, on est même très content de ça. Auparavant, on pouvait dire au ministère, « Ah, mais je vais compenser plus tard à un autre endroit, je vous le promets, d'ici 5 ans. » Et le ministère récemment a dit, « Non, vous allez arrêter de faire ça. » Quand vous serez rendu à dire, « Vous voulez votre CA, dites-moi ce que vous allez faire pour vos compensations, vos surverses, vos prolongements, et là, je vous donnerai votre CA. » Donc, est-ce qu'il va y en avoir? Oui, il y en aura. Donc, il ne faut juste pas mélanger tous les dossiers. Et malheureusement, si la source vous a dit que c'était une caractérisation de la zone à 16, ce n'est pas le mandat qui a été donné. Il faudra juste vérifier avec les gens qui vous ont informé. C'est tout, M. le maire. Je vous remercie, M. Héroux. Je vais prendre une autre question. Maître Pierre Havre. Excusez-moi, j'ai une question en ligne, M. Gertin. Question, j'ai plusieurs questions, je peux avoir 4 ou 5 questions relatives à la zone A16, mais encore une fois, je ne me vois pas. Je vais essayer plutôt de juste vous lire la question. Après, ayant pris connaissance de la demande de statut particulier de la CMSH et signé la pétition, la personne, je m'excuse, Hélène Tessier, elle a aussi lu le schéma d'aménagement de la MRC, ainsi que les objectifs, mise en valeur, vocation agricole et conservation des milieux naturels. Ces deux notions concernant directement les particularités de la zone A16, un objectif très important est de raffermir et mettre en valeur la vocation agricole, de favoriser le développement de l'activité agricole, inclure le développement de l'activité agricole au plan d'action du Centre local du développement. La question est pourquoi vous ne parlez que de protéger qu'une partie des boisés. L'agriculture est très importante. Pourquoi vous ne parlez pas de protéger nos vergers, nos belles terres propices à la culture des arbres fruitiers? Bien, il me semble déjà avoir répondu au fait qu'on veut protéger la totalité des boisés présents et que, en fait, le site a été retiré de la zone permanente agricole, notamment à cause de la valeur agronomique des lieux qui n'étaient pas excellents, notamment aussi parce qu'il y a une grande partie des terrains là, qui ont fait l'objet de remblais. Donc, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Julie Rivard. Oui, les questions vont suivre par la suite, monsieur. On fait juste finir le pot de ceux qui ont donné leur nom au début sur les points à l'ordre du jour et ça va suivre par la suite. C'est ce qui a été décidé et demandé par les citoyens, monsieur. Alors, madame, s'il vous plaît, je vous prie de poser votre question. S'il vous plaît, un préambule relativement. J'ai compris qu'on avait le droit à plus qu'une question, donc je vais en faire deux aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé du sentier pour l'accès au sentier du Piémont par la rue du Sommet. À la dernière séance, vous aviez été formel, vous avez dit oui, ça va se faire, ce sentier-là. Ce soir, vous semblez un petit peu plus nuancé. Est-ce qu'on pourrait avoir votre engagement à savoir que vous pourriez attendre de consulter les gens pour, avant d'aller de l'avant avec le sentier? En fait, on veut traiter la question dans son ensemble pour le Piémont, puis on aimerait ça pouvoir vous faire un portrait global. Donc, oui, on est en faveur de l'accès du Piémont, mais on veut avoir
une situation d'ensemble, puis on remarque qu'il y a des éléments par rapport à l'accès en ce moment qui sont perfectibles. Donc, j'aimerais vous revenir avec un peu plus d'informations pour régler certains des enjeux qui sont associés. Mais est-ce qu'on peut avoir votre engagement que vous n'allez pas aller de l'avant tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas consulté les citoyens? Parce que vous dites que c'est pour le bien-être des citoyens du quartier de faire ça. Vous avez dit que c'est pour le bien collectif. Alors, je pense qu'il faudrait consulter la collectivité à ce moment-là. D'accord. J'en prends bonne Monsieur le maire? Oui. Juste préciser, aussi, le projet n'est pas au plan triennal, donc dans le prochain 3 ans. Et une bonne indice pour vous, pour, je pense, la population, lorsque le projet triennal va être réadopté à chaque année, toujours regardez si vous voyez ce projet. Il va être nommé et il va être dans l'adoption en même temps, un peu avant le budget, lorsqu'il adopte le projet triennal. Donc, pour l'instant, je peux vous dire que à ce moment-ci, pour l'administration, on ne travaille pas sur ce dossier-là puisqu'il n'est pas dans la projection des 3 prochaines années du conseil municipal. Donc, ça pourrait changer et je pense que le maire s'engage, si ça change, à informer la population. Mais pour vous diriger, faciliter peut-être le processus, je peux au moins vous préciser que ça sera inscrit comme projet. D'accord. Ma deuxième question, c'est au sujet de la zone H60 derrière les résidences Soleil. J'aimerais ça savoir, c'est quoi les étapes qui restent à faire avant le début du travaux? Moi, j'ai téléphoné les promoteurs, puis ils m'ont dit que ça allait commencer cet automne, qu'il restait seulement les rues à faire. J'étais surprise de savoir ça parce que c'est seulement une entente de principe qui a été signée. Il semblerait qu'il y a d'autres étapes avant le début de ces travaux-là. Puis, tu sais, quand on voit tout ce qui se passe avec la zone A16, je me dis, ça ne vous tente pas de faire les choses autrement, peut-être, pour la zone H60? Quand on voit tous les développements immobiliers prévus dans les prochaines années ici à Saint-Hilaire, ça fait peur. On n'est pas ici pour ressembler à Brossard ou à Longueuil. Est-ce que vous avez comme ambition d'être l'équipe municipale qui a contribué à la plus grande augmentation des résidences possibles ou vous souhaitez plutôt être ceux et celles qui ont tout fait pour préserver la nature et l'esprit champêtre qui règne ici? Mon Dieu, puis je tremble. Ne me dites pas que l'architecture sera en harmonie avec la nature, parce que pour moi, ça ne fait pas de sens. Dès qu'on coupe des arbres, qu'on met du béton à la place, c'est pas ça être en harmonie avec la nature. Même si vous faites des toits verts, pour moi, c'est pas ça être en harmonie avec la nature. Puis, ça, c'est sans parler des effets néfastes de toutes les voitures qui vont être ajoutées, parce qu'à chaque porte ajoutée, on ajoute des voitures, parce que c'est pas vrai que les gens utilisent seulement le transport en commun. Tout le monde a une ou deux voitures par famille minimum. Donc, j'aimerais entendre un petit peu votre opinion à ce sujet-là. C'est quoi les étapes qui restent à faire pour la zone H60? Puis Mme Thibault, qui est notre conseillère de district, pourrait peut-être se prononcer aussi, enfin. Donc, merci. Vous savez, quand on arrive au conseil, on arrive avec toutes les décisions préalables qui ont été prises par les conseils précédents. Et à cet égard-là, il y a une entente de principe qui avait été signé par le conseil précédent. Donc, à cet égard-là, ça ne veut pas dire qu'on abdique à la situation, mais on doit quand même rendre compte des décisions qui ont été prises. Maintenant, en termes d'étapes, à ma connaissance, il reste des études de caractérisation à faire, notamment pour l'obtention des certificats d'autorisation de la part du ministère de l'Environnement, ce qui pourrait amener des correctifs. C'est valable combien d'années, un certificat d'autorisation provenant du ministère de l'Environnement? C'est une bonne question. Parce que le dernier a été octroyé en 2006. Oui. Donc, je pense qu'il est plus valable. Non, et à ma connaissance, les propriétaires ont décidé de rétrocéder le milieu humide qui avait fait l'objet d'un certificat. On parle de 3 promoteurs. Dans ce cas-ci, je ne sais pas c'est lequel, mais enfin. Essentiellement, il reste les études de caractérisation, ce qu'on appelle dans notre jargon là, les articles 22 et les articles 32. Là. Article 22 pour si jamais il y a empiètement sur un milieu naturel ou autre. Puis article 32, c'est pour l'aménagement d'infrastructures. À la lumière de ces documents-là, il y aura une entente promoteur qui devra être signée. Puis ensuite, par la suite, il faudra que toutes les demandes soient soumises, notamment au CCU, pour approbation. Maintenant, est-ce qu'on peut… Alors, à cet égard-là, il faut comprendre que c'est la dernière phase de plusieurs qui a fait l'objet de réflexion et d'analyse depuis le début des années 2000. Puis là, bien, on est sur le bord de la route 116. Puis, je réitère le fait qu'il y a beaucoup d'éléments naturels, là, plus de 30% des milieux naturels, en fait, plus de 30% du terrain va être protégé, notamment les boisés, tous les milieux humides. Mais ce n'est pas beaucoup, 30% sur 12 hectares. Là. Nous, ce qu'on considère, c'est que s'il y a un endroit où il devrait y avoir du développement, mais c'est, comme l'entend le PEMAD,
dans l'air TOD, puis proche des aires de transport collectif. Donc, on regarde tout ce qui s'en vient, Mont-Saint-Hilaire, il y a des développements partout. Là. Alors, pourquoi aller couper d'autres boisés? Pour... Vous avez comme politique de planter des arbres. Tout à l'heure, vous avez dit que ça va coûter 62 000 $ par année planter des arbres, mais vous allez couper 9 hectares d'arbres. À un moment donné, c'est des arbres matures là, qu'on parle d'aller couper. Et donc, on est à faire l'équilibre entre les droits de propriété des propriétaires, la réglementation qui est en place et donc qui est effective actuellement, puis également nos visées qui devraient favoriser un aménagement mieux intégré, plus vert, qui favorise une certaine transition. Vous savez, on est à supposer tous ces éléments-là. Donc, au dernier conseil, vous parlez qu'il y avait des études en cours. J'ai fait une demande d'accès aux renseignements aux grèves de la ville, puis il n'y a pas d'études en cours. Donc, de quelles études? Parce que vous parlez d'études environnementales qui avaient été demandées. Je m'excuse. Je vais préciser, il y a des études toujours en cours, mais je ne peux pas vous fournir des études qu'on n'a pas. Un, ni les résultats, ni que ce n'est pas nos études. Là, ça prend les études des promoteurs et doivent s'adresser au ministère de l'Environnement. On ne peut pas aller piger dans leur tiroir pour les remettre aux citoyens. L'accès à l'information, c'est malheureusement pas ça. Là. Mais il y a des études, ils n'ont pas le choix. C'est une règle gouvernementale, provinciale. Et quand vous me parlez de durée d'études, le gouvernement pourrait considérer, eux, l'étude de 2006 comme étant valable, comme ils pourraient dire « non, j'en veux une nouvelle », mais ce sont leurs compétences et leurs prérogatives. Mais ce n'est pas la Ville qui dirait, parce que là, la Ville pourrait prendre part pour les citoyens et non pas pour les promoteurs, puis dire « ben nous, on demande une autre étude parce qu'on considère que 2006… » Ce n'est pas une question de prendre part. Il y a des règles et c'est écrit dans la loi et on doit suivre la loi. Maintenant, est-ce que la Ville va faire ses propres études ou avoir des fournisseurs qu'elle choisira? Oui, ce n'est pas le promoteur qui va dire « je fais affaire avec qui je veux ». C'est correct, je m'arrange avec. La Ville va faire les appels d'offres, la Ville va faire les études, mais c'est des projets qui sont en cours, donc on ne peut pas soumettre des études. Je me rappelle, je pense que M. Morneau, l'étude sur la circulation, longtemps, il devait l'avoir, mais elle n'était pas déposée au Conseil. Donc, tant que ce n'est pas déposé, on ne peut pas rendre des documents publics non plus. Mais les études qui parlaient tout à l'heure de la période hivernale, ce n'est pas le meilleur temps. Donc, c'est sûr que les étapes vont suivre selon la loi sur la qualité de l'environnement. Actuellement, il y a une appel d'offres pour des services professionnels en ingénierie dans le domaine flanc nord. Et l'appel d'offres est bon jusqu'au 17 mars. J'aimerais ça savoir si ça consiste à quoi cette... C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, c'était difficile de fournir l'étude. Elle est en appel d'offres de présentement pour avoir les professionnels, puisque de toute façon, l'étude ne se fera pas en hiver. Il faut attendre les bonnes périodes adéquates. Mais ce n'est pas le promoteur qui va décider, parce que vous comprendrez la logique. C'est le promoteur qui va payer l'étude. Mais ce n'est pas le promoteur qui va dire à la Ville qui prendre pour faire l'étude, qui va aller au ministère pour la demande. Puis est-ce que c'est possible, nous, de savoir en quoi consiste cet appel d'offres-là? L'appel d'offres doit être, je m'excuse, je ne connais pas les montants, c'est relié au montant de l'étude. Là. C'est des documents qui, ça, peuvent être publics, parce qu'un appel d'offres, à l'exception, je veux faire attention, parce que vous savez que la collusion, faut l'éviter. Donc, si l'appel d'offres est en cours, les documents, ça se peut qu'ils ne soient pas disponibles pour éviter que quelqu'un appelle les autres pour leur dire qui sont les membres, combien qu'ils en ont, puis aller jouer dans la spéculation et la magouille, les corruptions, donc tout ce qui découle de la commission. Donc, je garde une réserve sur l'état actuel de la demande, mais définitivement, le document va devenir public dans le processus avant que ça puisse être complété. Là. Mais il faut faire attention à ce que la loi soit respectée quand même, puisque c'est des documents qui peuvent être... servir à de mauvaises personnes. Je ne vous referai pas la commission Charbonneau ce soir, là, mais la Ville doit protéger quand même les principes derrière tout ça. Donc, ça se pourrait que la Ville décide de demander encore d'autres études parce ben, que, pas, ça se pourrait, que les promoteurs l'appel font? D'offres est là. Donc, il y aura des études additionnelles aux frais des promoteurs sur les dossiers concernés afin d'augmenter les réseaux et les services pour permettre du développement conforme aux lois. Donc, quand le promoteur me dit au téléphone que ça va commencer à l'automne, on est dans les temps ou… Comment c'est quoi? Le projet. Si je veux m'acheter une maison, là, ça devrait être à l'automne que je suis capable de le faire dans la zone à 60 qu'on me dit. Nous, on ne travaille pas main dans la main avec le promoteur. Je ne connais pas ses discours. Nous, ce qu'on fait, c'est appliquer la loi. Les fonctionnaires s'assurent de respecter les lois provinciales en vigueur et les lois d'octroi de contrats municipaux. Maintenant, c'est vous qui savez si vous achetez la bonne voiture au bon vendeur. Là, Non, mais ça serait la première fois que notre ville travaille un peu pour nous. Tu sais, on a vu d'autres villes où ils se sont battus pour l'environnement davantage. Je m'excuse, je vais vous interrompre. On va passer notre personne. On travaille. Non. Non, mais j'aimerais non. Ça. Oui, un instant. Oui. On travaille pour le bien commun. On travaille pour le bien commun à l'intérieur des règles qui sont établies et les règles qu'on trouve pas tout à fait adéquates ou qui ne servent pas, en fait, l'orientation politique qu'on a présentée à la population, notamment lors des élections, on tente de les changer. Ces choses-là ne se font pas en claquant des doigts. Et donc, malheureusement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est une loi procédurale. C'est une loi où il faut faire des dépôts de projets, il faut ensuite… Alors, comprenez,
qu'on travaille à l'intérieur des règles qui sont érigées. Et lorsqu'on dévie de ces règles-là, malheureusement, ben, parfois on se fait ramener à l'ordre. Et on l'a déjà vécu dans d'autres dossiers. Donc, je tiens à juste vous assurer qu'on travaille à l'intérieur des règles et on le fait toujours dans un esprit de bien commun. Je veux juste vous interpeller, puis je suis contente de vous entendre, contente de prendre la parole devant les gens du district, de mon district. J'ai fait le tour du district, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de craintes par rapport à la connectivité, le rôle de la 116, comment est-ce que c'est un obstacle pour les gens pour se déplacer dans le quartier. On a une opportunité dans ce développement-là, derrière les résidences, d'avoir une bande cyclable. Maintenant, on vit avec une bande cyclable qui va lier le quartier, qui va le connecter avec les autres quartiers. On vit avec ce qui a été décidé, on vit avec la réglementation actuelle. Ce qu'on s'est engagé de faire, c'est de se donner une politique de conservation. Et notre politique de conservation des milieux naturels va venir influencer la réglementation. Alors, il faut procéder par étapes. Marc-André l'a dit, il faut travailler tranquillement avec ce qu'on a pour être capable de faire ça selon la réglementation en vigueur. On ne peut pas passer par-dessus ça. C'est ça notre engagement. Et on l'a encore, croyez-nous qu'on a encore cette conservation à cœur, mais on l'intègre dans les processus avec pragmatisme. Et c'était ça notre engagement. Et on veut vraiment y arriver, tous ensemble. On est tous sur la même longueur d'onde ici, dans ce conseil-là. Et on ne parle pas aux promoteurs. Vous avez parlé aux promoteurs, moi, je ne leur ai jamais parlé. Je ne sais même pas c'est qui. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi leur plan. On n'est pas là. Pas du tout. Merci pour votre intervention. Prochaine question, s'il vous plaît. Question de M. Stéphane Boucher. La question n'est pas trop longue. Bonjour, je suis préoccupé par la zone A16. Si M. Guertey avait plus de temps pour faire la demande d'un statut particulier, que l'échéance promulguée par la Cour n'était pas si près, et si cette demande n'exigeait pas des moyens financiers, que les frais étaient assumés par les donateurs privés, par exemple, M. Guertey ferait-il une demande de statut particulier pour la zone A16? Si on pouvait revenir dans le temps, si on pouvait régler, si c'est sûr que j'ai commencé à réfléchir à cette question-là au début des années 2000. Puis au début des années 2000, le projet aurait probablement pris une tangente totalement autre. On est ailleurs. Donc, alors, c'est une question bien hypothétique, là, mais si on n'était pas dans les conditions actuelles, fort probablement qu'on évaluerait d'autres scénarios. En ce moment, on évalue tous les scénarios qui sont possibles à l'intérieur des contraintes qui nous sont imposées en ce moment. Prochaine question. Benoît Frappier. Bonsoir, M. Frappier. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les conseillers. En passant, M. Saint-Onge, je n'avais pas désinfecté mon micro. Mais je ne travaille pas pour la CNESST, faites-vous-en pas. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici, puis je n'ai jamais venu à un conseil. J'ai assisté dans les derniers... un peu sur Internet, et je suis excessivement confus. Je suis un homme de résultats, et je vais vous garantir ce soir que nous, l'association, je suis membre d'association, et puis vous allez recevoir un document juriste qui va vous donner une information extraordinaire. Parce que quand on est de bonne foi dans une négociation, et vous l'avez dit plusieurs fois aujourd'hui, et je suis très, très, très heureux de ça. Quand nous, on est à zéro bâtisse à l'acre, ou à l'hectare à l'acre, et on est à 21 actuellement avec le jugement qu'on a, c'est sûr qu'on ne pourra jamais s'entendre à nulle part. On est probablement en 2022 rendu, comme vous dites, ailleurs. Mais entre une porte, puis deux portes, puis 21 portes, puis minimum 21 portes, comprenez qu'on est excessivement inquiet. Et pour l'environnement, et pour le côté champêtre, et pour... Quand on a un verger, moi, je reste pas loin d'un verger, là. Ça fait 16 ans que je suis là, puis ça fait 16 ans que le propriétaire l'entretient presque pas. C'est misérable. Mais ça, c'est pas de votre problème. Mais quand on veut orienter une décision vers une construction à haut niveau, bien, c'est exactement ça qu'on fait. Donc, moi, je m'offre, quand vous allez recevoir cet avis juridique-là,
de plusieurs pages qui a pris presque 7 mois à faire, dont j'ai participé financièrement. Est-ce que vous pouvez la prendre avec la MRC et nous amener un résultat pour la zone A16? Je vais certainement le considérer. Je vous remercie. Et je vous offre, si vous voulez, mon numéro de téléphone, je peux vous appeler. Je sais que ce n'est pas mon travail, puis vous avez la compétence qu'il faut pour faire le vôtre. Mais si ça peut vous aider, je suis prêt à y aller avec vous de toute bonne foi pour donner la transparence à notre association, puis qu'on n'ait pas l'air de deux clans. Parce que j'ai lu dans le journal l'autre jour qu'on faisait un chialer, puis critiquer, puis on ne faisait rien pour avancer. J'ai compris ça comme ça. Et puis, ce n'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas mettre des bâtons dans les roues. On n'en est pas là. Mais quand on constate ce qui se passe avec où on veut aller, il y a une grande différence, mais on peut arriver à des compromis, mais il faut se parler. Je vous remercie. J'aimerais que lorsque vous recevez le document de notre juriste, que vous le partagez avec vos conseillers. Et s'il vous plaît, pour la grâce de Dieu, appelez-moi pour qu'on puisse en discuter. Merci. Question de M. Pierre Nault. M. Guertin, suite à ma conversation téléphonique du 25 janvier 2022 avec François Sénécal de la MRC, celui-ci m'a mentionné que c'était possible de changer la réglementation dans des délais prévus à la Cour. Une consultation publique devrait être faite avant l'adoption du règlement et celui-ci doit répondre aux exigences du jugement. Il mentionne que ce n'est jamais arrivé par le passé que la MRC ait pris 120 jours pour accepter un nouveau règlement et il demeure confiant vis-à-vis la date du 11 août. Il réitère que la Ville peut demander une prolongation si elle veut et de preuve de bonne foi dans ses démarches. M. Sénécal m'a affirmé que la MRC collaborerait avec la Ville dans l'élaboration de ce nouveau règlement. Alors, pourquoi persistez-vous à ne pas faire l'exercice d'une demande de statut particulier? Tout simplement, M. Nault, parce que M. Sénécal, en fait, a précisé qu'il avait été cité hors contexte par rapport à la réponse qu'il vous avait offerte et qu'une demande de modification du schéma d'aménagement ne peut pas se faire dans les délais, dans le fond, qui sont prescrits par la Cour. Et nous avons même cette réponse-là par écrit. Je vous remercie. Monique Comtois. Bonsoir, Mme Comtois. Bonsoir. Merci. Moi, je veux ajouter un point sur la zone A16, puis un point sur la construction sur les axes routiers d'habitation. Donc, je vais commencer avec mes préoccupations de la zone A16. C'est qu'on... Je veux signaler que moi, j'ai habité dans la zone A15 pendant 9 ans et j'ai marché à pied le chemin régulièrement. Et ce que je constate, c'est que sur le chemin, on voit Montréal, on voit le Mont-Saint-Bruno, on voit le Mont-Saint-Hilaire, on voit le Mont-Rougemont et même plus loin, on voit le Mont-Saint-Grégoire. Alors, ça, pour moi, c'est une caractéristique exceptionnelle et métropolitaine. Oui. Donc, je trouve que c'est la base en valeur patrimoniale de la zone. Et toutes ces percées visuelles-là sont considérées. Oui, mais justement, percées visuelles, c'est plutôt égal à vue bloquée. Et quand je regarde ce qui s'est passé sur Osias-le-Duc présentement, qu'est-ce qui se passe du côté d'Otterburn, quand on arrivait un peu dépassé la maison Osias-le-Duc, on avait une vue magnifique sur le Mont-Saint-Bruno. J'en conviens. D'accord. Et maintenant, c'est triste. Alors, ce qu'on voit, on a une percée visuelle de la largeur à notre échelle de la poutre qui est là. Donc, moi, je ne veux pas vivre ça. Et j'espère sincèrement que vous allez considérer cet aspect-là comme l'élément fondateur de cette zone-là. Il n'y a ailleurs pas à Saint-Hilaire une zone où on voit toutes ces montées régiennes. Alors, sur la rue Saint-Georges, on voit le Mont Saint-Bruno, le Mont Saint-Hilaire, évidemment. Mais, alors, d'après moi, c'est une caractéristique très importante. OK? Oui. La deuxième, évidemment, c'est la réserve mondiale de l'UNESCO. La troisième, qui est d'importance internationale. La troisième chose que je trouve fondatrice dans cette zone-là,
c'est la présence d'Osias le Duc, oui, d'importance nationale. Cet homme-là, il y a des tableaux partout au Canada dans les musées. Et ce qui reste du paysage de cet homme-là, c'est le côté ouest vers la zone A16. Tout le reste a été développé en paysage moderne, en habitation. Alors, je trouve que c'est une raison très importante de regarder que la zone A16, pour le voisin Osias le Duc, elle a une importance vraiment grande. Puis j'ajoute à ça la maison amérindienne, avec les rablières, qui est dans la suite. Alors, c'est quelques éléments qui me poussent à vous demander de vraiment considérer autre chose que de l'habitation résidentielle, de faire vraiment le point sur les forces que je viens de vous nommer, puis d'essayer de vraiment trouver des solutions naturelles pour cette zone-là. Puis moi, je respecte entièrement les personnes propriétaires qui veulent faire du profit avec ça. Mais pouvons-nous aller chercher du profit en préservant ces espaces-là, s'il vous plaît? Madame Comtois, j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses. Non, je n'ai pas dit. Bien, vous dites... C'est-à-dire depuis, si vous retournez voir chacune des communications qu'on a fait depuis qu'on est arrivé au conseil municipal, j'ai l'impression d'entendre ce qu'on a mis par écrit depuis le début de nos communications. Donc, okay, j'entends ce que vous me dites. Et j'y travaille et le conseil y travaille activement. OK. Mais moi, ce que j'ai plutôt entendu, j'apprécie énormément ce que vous me dites là maintenant. Là. C'est très important. Mais retournez voir chacune de nos communications et vous allez voir que ce que vous venez de nous exprimer et les conseillers peuvent acquiescer. On travaille exactement à faire ça. On ne semble pas s'entendre sur les moyens, mais la finalité qu'on vise, c'est celle-là. Je vais m'en tenir à ça parce que le temps file et je voudrais prendre d'autres questions. Je vous remercie beaucoup, Mme Comtois. Je suis désolée, mais je suis obligée de contredire parce que vous mentionnez que ce n'est pas toute la zone qui possède des caractéristiques exceptionnelles. Et je n'accepte pas cette chose-là, compte tenu que les vues sur la montagne, sur les montées régiennes, on les voit partout sur cette zone-là. Moi, en tout cas, je les ai vues du chemin. Alors, j'imagine que partout sur ces terrains-là, on peut les voir, les vues sur les montées régiennes. Je m'arrête ici. Je respecte Merci. Votre point de vue, mais est-ce que je peux aborder très rapidement l'autre question? Très, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est qu'on construit à Saint-Hilaire de l'habitation sur les axes routiers. C'est l'intention que j'ai entendue de votre part. Ça m'inquiète au plus haut point parce que sur la route 116, je regarde les statistiques du ministère du Transport, les chiffres en décibels sur les grandes avenues, c'est l'équivalent de 80 décibels. Et ça tombe dans une zone où ce n'est pas acceptable. Ma mère habite sur Résidence Soleil. On profite encore du boisé en arrière pour se calmer de la circulation automobile qui est en avant. Ça prend un équilibre. Et moi, je vois d'un très mauvais œil, sur le plan professionnel, la construction d'habitations sur les axes routiers. C'est un stresseur. Puis il y a des informations scientifiques sur cette information-là. Je vous remercie pour le commentaire. Merci, ce sera certainement à considérer, notamment dans la nature des matériaux ou autres, puis aussi par rapport à tout le transport. Mais je vous remercie pour votre commentaire. J'en prends bonne note. Merci beaucoup. Prochaine question. Question de Mme Julie Beaudoin. Bonsoir. Beaucoup de personnes ce soir semblent vouloir contrôler ce que les citoyens veulent faire dans leur propriété. J'invite ces gens à soumettre leur adresse au service de l'urbanisme pour une inspection conforme à tous les règlements municipaux et de recevoir une étude publique de toutes leurs demandes de permis avant de pouvoir recevoir quelque permis que ce soit. Nul n'est maître chez eux avec ces mêmes citoyens qui reviennent à chaque séance. Il n'y a pas de question, M. le maire. Je pense que c'est juste un commentaire. D'accord. Mais Mme Pierrat. Lisette Jacques. Bonsoir, Mme Jacques. Bonsoir, tout le monde. Ça fait une quarantaine d'années déjà que je suis à Saint-Hilaire. Quand j'ai choisi Saint-Hilaire, c'est parce que je choisissais un paysage, je choisissais un environnement sain. Et là, si on peut, comme on veut le faire, c'est déjà plus sain. On est les plus hauts taux d'autistes dans notre région. Fait que là, moi, la circulation près de la zone A16, c'est mon patelin, c'est mon coin. Je veux que ça diminue,
pas que ça augmente comme on va le faire avec le temps. Parce que là, tous les promoteurs, oui, ils veulent des gros morceaux à vendre avec leur terrain. Je suis bien d'accord, si j'avais acheté ça il y a 40 ans, je serais peut-être de la même opinion. Mais aujourd'hui, on a assez évolué, assez avancé dans les recherches pour savoir qu'il faut faire quelque chose très concret. La situation des autistes en Montérégie, c'est très grave. J'ai un petit-fils moi-même autiste et je suis très triste de ça. Et c'est la pollution et c'est les environnements surchargés de toutes les toxines qu'on connaît. Fait que pour moi, la circulation dans mon coin, je voyage 4 fois par jour de la zone 16 vers McMaster, vers les résidences Soleil, puis je vais accompagner des gens. 4 fois par jour, je fais des détours des petites rues pour ne pas prendre la rue Fortier aux Ozias-le-Duc. Et quand j'arrive en bas, à la 116, assis aux résidences Soleil, on est très malheureux sur une galerie. Ça n'a pas de sens. Le bruit des gros camions, des gros transporteurs. Et c'est ce qu'on accepte en acceptant les développements des promoteurs à coût de 500 puis 1000 portes et plus. Chaque porte apporte à peu près 2 autos quand ce n'est pas plus. Fait qu'il faut réfléchir aux conséquences. Pas juste dire on est beau, on est fin, on est ci, on est ça. Non, les conséquences, on les vit dans la santé de nos gens près de nous, nos parents, nos amis. Fait que moi, je souhaite qu'on soit très sévère pour le développement du chemin de la montagne, qu'on soit très sévère pour les vergers qu'on n'a pas pu sauver peut-être parce que les promoteurs, ils veulent leur dollar. Mais la ville, j'y compte, qu'ils vont devoir, vous, ensemble, voir un sérieux projet. Merci pour votre commentaire. Monsieur Saint-Onge. Question de Mme Rachel Prévost. En référant les... Il y a 3 questions. Première question, en référant les citoyens au MSH 235, vous évitez de répondre aux citoyens. Notre MSH 235 ne prévoit absolument rien pour réfuter une demande de statut particulier telle que mentionnée par M. Morneau préalablement. Pourquoi ne pas procéder à cette demande alors que des éléments importants, tant au niveau patrimonial, environnemental, et répondre de façon pertinente aux articles du schéma d'aménagement justifiant une telle demande? 2. Il n'est pas de mauvaise foi de procéder à une demande de statut particulier et cette demande est légitime. Pourquoi invoquer ce motif? Et 3. Les délais ne sont plus des motifs. Il n'y a rien qui ne peut empêcher la Ville. L'adoption des règlements doit avoir lieu avant le 11 août et la mise en vigueur après. Alors, Mme Prévost, je ne reviendrai pas encore sur ces questions-là. Vous pouvez aller lire les jugements, les commentaires, même le résumé des jugements qui a été fait. Je pense que vous allez trouver réponse. Et si vous n'êtes pas du même avis que ces juges-là ou autres, bien, je trouve ça regrettable, mais nous, les avis légaux qu'on a reçus nous incitent à procéder. Ainsi, je ne reviendrai pas sur cette question-là. Ou ces questions-là. Mais, Pierre-A? J'ai plus de demandes. Je vais prendre d'autres noms. Oui. Alors, il nous reste encore une dizaine de minutes. Je vais avoir octroyé 1 heure de questions. Donc, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Monsieur, non, vous ne levez plus la main. Juste lever les mains, je m'excuse, parce que j'avais levé la main. En fait, peut-être même quelqu'un qui n'a pas déjà eu le privilège de poser des questions. Je vois Mme Blouin, ou autre. Peut-être qu'on pourra procéder ainsi. Donc, Mme Blouin, votre nom est enregistré. Monsieur avec le chandail rouge. François Poitras. Madame avec le chandail noir derrière. Martine Renaud. Monsieur, dans le fond, je m'excuse, je ne vous vois pas beaucoup. Christian à la liberté. Je m'excuse, Monsieur la liberté, je ne vous entendais pas. Merci. Quelqu'un d'autre qui n'a pas posé de questions ce soir, qui voudrait s'adresser au conseil municipal? Alors, procédons parce que le temps file. Je vais peut-être poser une question en ligne pendant que les papiers se préparent rapidement. Une question de M. Jacques Bailey. Qu'advient-il du point 4, donc la pétition?
En fait, on prend bonne note de la pétition, puis c'est certainement à considérer. Et on prend tous les attendus que, et comme je vous dis, on traite chacune de ces considérations là avec beaucoup de rigueur, puis on tente d'agir en fonction des recommandations qui nous sont faites par les experts qui nous aident dans le dossier. Alors, c'est très certainement considéré. Et oui, c'est très certainement considéré. Est-ce que je peux faire une intervention, M. le maire? Oui. J'aimerais juste, j'ai l'impression qu'on assiste à un dialogue de sourds depuis quelques conseils municipaux. Je veux juste vous dire à quel point, on vous l'a dit d'entrée de jeu, hein, la démocratie, la liberté d'expression, c'est important pour nous. On le sait parce qu'elle est en péril en Europe et ça nous affecte tous. Mais on vit, et ce que vous faites de venir au conseil, de présenter une pétition, c'est une expression de la démocratie. C'est très important pour nous. Par contre, on vit aussi dans une société de droit. Il faut respecter le droit de toutes les parties et les jugements de la Cour. Donc, je pense qu'on fait vraiment tout ce qu'on peut pour vous fournir le plus d'informations possible. Les jugements de la Cour sont accessibles. Le site MSH 2035 l'est aussi. J'ai l'impression qu'on a une perception, comme si nous, on arrivait puis on se faisait un grand plaisir de saboter une zone, alors que c'est exactement l'inverse. Pensez-vous vraiment qu'on a fait une campagne pour aller saboter la plus belle ville au Québec? On partage vos préoccupations, on a de l'empathie. Moi, j'ai choisi cette ville pour élever mes enfants, comme vous, je pense, parce qu'elle est fantastique, et j'ai décidé de m'engager pour faire ça. La réalité, c'est que là, on est en 2022. Il y a eu des dizaines d'occasions manquées dans le passé, par d'autres conseils municipaux, et même par des comités qui étaient censés trouver des solutions. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire. À partir de maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler pour le futur. Cette cause-là, elle est importante, elle est symbolique, et je comprends votre désenchantement. Je comprends que pour vous, vous avez l'impression de perdre Mont-Saint-Hilaire. Je le vois, je l'entends. Je le lis même sur les réseaux sociaux. Je trouve ça pénible. Mais je veux juste vous dire que c'est vraiment en tout respect, puis on est tous engagés. Je pense que Marc-André Gertin, en 4 mois, a fait plus pour le dossier de la zone ACES et pour la protéger que durant les 20 dernières années à Mont-Saint-Hilaire. Donc, j'aimerais ça qu'on ait la considération pour ça. Merci. Merci. Prochaine question. François Poitras. Bonsoir, M. Poitras. Bonsoir, M. Gertin. Bonsoir à tous. J'ai bien aimé votre dernière intervention parce que le jugement, vous dites, on est en 2022. En tout respect pour les législateurs, il faudrait aussi que les juges soient fassent un jugement en fonction qu'on est en 2022. De mémoire, le paragraphe 243 dans le jugement, premier jugement concernant la zone A16, il est dit que le développement des zones résidentielles dans les zones orthodes sont un exemple de lutte contre le réchauffement climatique et l'étalement urbain. Il faudrait m'expliquer comment en éliminant, en détruisant des espaces verts et en favorisant l'augmentation du parc automobile, on lutte contre le réchauffement climatique et l'étalement urbain. L'étalement urbain. Avec vous. Si vous permettez, le juge a erré, s'il vous plaît, dans son opinion concernant l'environnement. Il n'a peut-être pas erré sur l'interprétation des lois en vigueur, mais là, il a émis un jugement qui était en dehors de son champ de compétences. Puis même avant, dans l'autre paragraphe précédent, il a dit « Les démarches pour la protection de la zone A16 relèvent du phénomène pas dans ma cour. » Un instant. Le juge a erré en ces matières-là, puis je pense qu'il a mal saisi le tableau d'ensemble. Puis on sait que les écologistes ont la fameuse maxime, hein, « Penser globalement, agir localement, hein? » Mais il y en a d'autres que c'est penser monétairement et détruire localement. Puis ça, ce sont des visions. Pensez-vous vraiment, monsieur, qu'on peut réformer le système capitaliste, là, nous, le conseil municipal? Il y a une éducation à faire, madame. Puis la propriété privée, on veut défendre les propriétaires terriens. Moi, j'ai écrit une lettre là-dessus, sur la zone d'Assaï, les propriétaires terriens qui poursuivent la ville de Mont-Saint-Hilaire pour 2,5 millions. Ça, c'est mon argent qui va se retrouver dans leur poche. S'ils veulent passer à l'Halloween avec un chapeau pour les compenser pour leur petite misère, pour leur perte de jouissance pendant les 5 dernières années, oui, mais il y a des gens qui vont perdre beaucoup plus dans les années à venir.
Puis c'est quand on a une propriété privée, il faut prendre une décision en fonction du bien commun. La propriété privée, ce n'est pas un bien, c'est pas un droit absolu. Il faut que je sache quelles sont les conséquences dans les prochaines générations. On dit ville des abeilles, on veut protéger Martinet, on participe à des colloques sur la carboneutralité. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit en disant, ah ben, des propriétaires terriens, il faut respecter leurs droits, patati patata. Sous toute réserve, excusez, j'entends votre question. Ma question, c'est est-ce qu'on va vous demander le statut pour la zone A16 et arrêter de se réfugier sur la date butoir du 11 août? Et comme monsieur le dit si bien, il ne faut pas se laisser arrêter par les décisions des administrations précédentes. Okay? Je vous remercie. On a déjà répondu à cette question-là, oui. Mais je vous remercie pour votre intervention. Madame Nègre et M. Nègre, dans leur mémoire présentée en 2016, c'est 10 secondes, a dit, est-ce qu'on pourrait voir Mont-Saint-Hilaire autre chose qu'une bourgade champêtre entre rivière et montagne? Eux autres, ça les fatigue, ça. Ça les fatigue. Alors, il faut construire pour eux autres. Et je rejoins M. Leboeuf tantôt par rapport au dossier de la rue de la Montagne, avec les percées visuelles, on voit à quel genre de personnes on se heurte. Merci. Prochaine question. Question de Mme Isabelle Cahu. Elle me permet de couper sa question puisque plusieurs réponses ont été données ce soir. Un seul élément pour elle n'a pas été répondu dans sa question. Donc, elle voudrait savoir, relativement à la zone A16, au niveau de la circulation sur la rue Fortier, Ozéas-le-Duc et le chemin de la montagne lui semble importante. Donc, de savoir quelles sont vos pistes de solutions si vous pensez à la problématique que la zone A16 va créer. Donc, en fait, il y a des mesures d'atténuation de la circulation qui sont issues d'études qui devront nécessairement être considérées. Puis, c'est dans la volonté du Conseil, éventuellement, que ces mesures d'atténuation-là aussi précèdent l'aménagement pour pas que ce soit l'ensemble de la population qui les subisse. Mais clairement, la circulation est une considération qu'on a. Je vous remercie. Prochaine question. Christian Laliberté. Bonsoir, M. Laliberté. J'ai bien entendu le message de madame. J'ai bien entendu le message de madame. Je pense qu'effectivement, il y a un écart de perception entre le citoyen et le conseil municipal. Est-ce que c'est un problème de communication? Je ne sais pas. Mais je pense que je me fais la voix de tout le monde, c'est qu'on ne sent pas la hargne de vouloir défendre cet environnement-là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là, mais on ne le sent pas. Quand on parle, que ce soit du sentier du sommet ou du H60, on ne sent pas, parce qu'il y a quelques commentaires qui ont teinté, qui ont dit « Oh, ah, ben là, il semble y avoir un désir de volonté de vouloir défendre. » Sauf que là, on a un milieu humide dans H60. Qui sont entièrement protégés. Qui sont entièrement protégés, sauf qu'ils sont à... On parlait du patrimoine, donc la montagne fait partie du patrimoine, j'imagine. Donc, au lieu de travailler à très fort, je dis très fort, à protéger ces milieux-là, on semble plutôt opposer aux citoyens des règles, des obligations. On en a des obligations, c'est clair. Mais on sait que le politique a quand même son mot à dire. Et on ne sent pas la ferme intention de protéger ce milieu-là. Au dernier conseil, on n'était pas automatiquement dans H60 d'avoir une étude environnementale. Ce soir, on l'était. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est que, si je me souviens bien du dernier conseil, c'est que Il y avait déjà eu une étude et qu'on n'était pas obligé de le faire. C'est ça qui a été dit. En tout cas, de mon souvenir. Écoutez. En fait, personne ne peut se soustraire à la loi. C'est pour ça que vous voyez ma réaction. C'est-à-dire que personne ne peut se soustraire à la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, je ne vois pas comment on aurait pu insinuer que les promoteurs n'auraient pas été assujettis à la loi sur la qualité de l'environnement. C'est ce que j'ai compris. Je réitère le fait que les promoteurs sont assujettis à la loi sur la qualité de l'environnement. J'en viens à la communication. C'est que c'est clair que si tout le monde est assis ici, là, puis on sent la frustration, c'est clair, vous le sentez tous, la frustration que les citoyens ont.
C'est donc le message ne passe pas. C'est que peut-être qu'on n'entend pas clairement ce que le citoyen veut dire ou on ne réussit pas à expliquer clairement ce qu'on veut faire. Mais chose certaine, effectivement, on se relance avec un dialogue de sourds et c'est malheureux. C'est malheureux. Je pense que tout le monde ici voudrait entendre le conseil municipal s'engager vraiment à protéger ces zones-là du mieux qu'ils peuvent. On sait qu'il y a des contraintes légales. Il va peut-être avoir finalement des ententes, mais qu'on sente cette volonté de protéger ce capital qu'on a ici à Saint-Hilaire, puis pourquoi on est venu s'installer. Alors, c'est vrai pour le sentier du sommet, il y a déjà un accès. Alors, pourquoi ouvrir un sentier là, où est-ce qu'on va peut-être trouver, on ne sait pas là, un Martinet Ramoneur? On peut en trouver dans H60 aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que on est rendu maintenant en 2022, plutôt que de penser développement, peut-être penser conservation. Et c'est vrai pour H60, c'est vrai pour le sentier du sommet, c'est vrai pour A16. C'est sûr qu'il y a des contraintes. Mais je pense que le défi, c'est ça, c'est de faire face puis de réussir avec les citoyens à sauvegarder ce patrimoine-là. Je vous remercie. Nous ferons preuve de détermination. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Considérant l'heure, je vais prendre deux dernières questions. Martine Renaud. Bonsoir, Mme Renaud. Bon, alors, vous comprendrez que, bien sûr, je suis encore là pour les deux zones, A16 et H60. Je comprends ce que monsieur disait tout à l'heure au niveau des études. Vous aviez dit que les études revenaient aux promoteurs. L'obligation de faire des études de caractérisation revient aux promoteurs. Aux demandeurs de permis, oui. Aux demandeurs de permis, habituellement, ce sont les promoteurs. Là, tout à l'heure, on parlait d'appel d'offres pour des ingénieurs. J'imagine que ce n'est pas pour des études de caractérisation, monsieur Saint-Onge, pour la zone H60. Dans le camp des travaux. C'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure, donc je ne sais pas pourquoi vous dites le contraire. Je vous pose la c'est question. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour des travaux d'ingénierie, ce n'est pas pour ça la caractérisation. Ça l'inclut ensemble, la caractérisation et toutes les études qui doivent être nécessaires. Comme on dit, ce n'est pas le promoteur qui choisit son étude, ça va être la ville, aux frais du promoteur, comme dans tous les dossiers à travers le Québec, à l'exception des villes, qui, encore aujourd'hui, décident d'encourager leur promoteur à développer à plus de 40 logements lecteurs. OK. Donc, la dernière étude qui avait été faite par les promoteurs dans H60, ça date d'où l'année dernière? Alors, je comprends que c'est la ville qui avait approuvé la firme Synergis. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ah, bien, je l'ai avec moi. Je pourrais vous la montrer. C'est une étude de caractérisation qui nous a été envoyée par la ville lors d'une demande d'accès à l'information. C'est possible, mais ce n'est pas dans le dossier qui nous concerne à l'étude ou ce qui est maintenant aux demandes du gouvernement. Comme M. Le Gartin a dit tout à l'heure, nul ne peut se disposer de ne pas suivre la loi gouvernementale. Bien, j'espère. Donc, mais est-ce que vous me dites maintenant que cette étude-là ne sera pas considérée? Parce qu'il y en a une. Les seules études qui ont été faites dans H60. Sur la zone A16, là. On a reçu plusieurs études de la zone A16 qui ont été déposées devant le tribunal. Donc, les promoteurs ne sont pas empêchés de soumettre les études qu'ils veulent, comme les citoyens qui ont soumis dans l'association des études aussi environnementales, comme n'importe qui peut déposer une pétition à la Ville, donc, et on considère l'ensemble des communications qui sont données à la Ville. Maintenant, la loi est claire et on suit les dispositions de nos règlements et des lois provinciales. Donc, il ne faut pas faire dire aux documents des choses qui ne sont pas cadrées légalement. Je ne dis rien de la sorte. Tout ce que je dis, c'est que dans H60, il y a deux études qui ont été faites. Une par la Ville en 2006 et l'étude des promoteurs Synergis en 2021. Et cette étude-là, ironiquement, avait été faite seulement sur la section qui va être préservée. Donc, je voulais juste m'assurer que la Ville n'allait pas donner des permis basés sur une étude qui n'est pas complète comme ça, là. C'est clair. Et je voulais m'assurer que la Ville, dans l'esprit de protéger, allait s'assurer du contenu de ces études-là. Il y a des villes comme à Paincourt qui a fait faire des études supplémentaires parce qu'il y avait des promoteurs qui disaient quelque chose. Les citoyens voulaient protéger. Le maire a écouté ses citoyens. C'est vrai ce que monsieur disait tantôt. On sait que vous voulez protéger, mais on ne sent pas ce message-là. Nous, on a l'impression de se battre pour présenter nos idées au lieu de travailler ensemble. Ce n'est pas ça qu'on veut.
On perd de l'énergie, on perd du temps. L'idée, c'est de protéger ensemble. Si les citoyens vous présentent des idées, il y a des gens qui ont travaillé, ils ont fait un travail colossal pour préparer la demande de statut particulier. On a l'impression que ça a été rejeté du revers de la main. Pourtant, on a consulté des avocats de grands bureaux canadiens qui avaient une opinion différente. Vous avez vos experts. Pardon, vos experts. Mais ces avis-là ne nous ont pas été présentés. Mais pourtant, nous, les avis qu'on a eus, donc on vérifie et contre-vérifie l'information qui nous est offerte. Et c'est regrettable parce que certaines de ces informations-là ne semblent pas aller dans le même sens que certaines prétentions, mais c'est correct. Il faut plutôt voir de la rigueur et non de l'incompréhension. Mais quand on vous demande les experts, on n'a pas de nom. Il y a des citoyens qui ont demandé... Oui, mais quand des dossiers sont judiciarisés, on ne peut pas divulguer, dans le fond, toute cette information-là. Mais là, vous avez pris des décisions au nom de la ville, au nom des citoyens, basées sur des avis. Ce sont nos taxes qui payent ces avis-là. Je pense que ce n'est pas judiciarisé, c'est secret. On devrait avoir droit d'avoir... Est-ce que c'est le même bureau d'avocat qui vous représentait à la cour d'appel, qui vous a dit « Non, allez pas en Cour suprême, non, il n'y a pas assez de délai. » Comme monsieur disait aussi tantôt, ce serait à la MRC de se prononcer. Est-ce que les délais sont suffisants ou pas? Nous, tous les avocats qui ont déjà travaillé avec cette MRC-là, qu'on a consulté, nous disaient que ce n'est pas impossible. Pourquoi ne pas considérer vos citoyens? On a du travail de fait. Cette semaine, je voyais le comité de presse qui a été publié pour les abeilles, la ville amie des abeilles. Saviez-vous que dans le verger que vous banalisez dans la zone A16, il y a 21 sortes d'abeilles. Il y en a une qui est en voie, qui est menacée. Le rapport que les citoyens ont fait faire dans A16 le précise. Si le verger et si une partie de la forêt se voit détruite, il va avoir des implications au niveau régional. J'entends ce que vous me dites, je vais juste vous interrompre, mais j'entends ce que vous dites parce que ce matin, je travaillais à la protection d'espèces en péril. Parce que ces espèces en péril-là sont inscrites dans des lois qui me permettent d'agir comme maire pour protéger des milieux naturels. On en décompte près de 20 en tout. Mais en ce que très malheureusement, aux arthropodes, il n'y en a aucun. Il y a un seul animal, en fait, insecte, qui est inscrit à la loi sur les espèces en péril, c'est le papillon monarque au Canada. Donc, même si on identifie, et je sais pour avoir moi-même remis des documents où on a même... des entomologistes, je l'ai souligné au conseil, qui découvrent des nouvelles espèces à Mont-Saint-Hilaire et qui ont même identifié 800 espèces de papillons. Mais malheureusement, ces espèces-là ne sont pas inscrites dans des lois, ce qui fait que j'ai beau suggérer, vouloir, mais si j'ai aucun règlement habilitant ou aucune loi, vous pouvez revenir à toutes les semaines et je vais malheureusement devoir vous dire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on souhaite vivement modifier la réglementation municipale, mais actuellement, on doit agir avec le cadre légal qui nous est imposé ou sur lequel on a hérité. Je sais qu'on est lié avec ça. L'idée, c'est de trouver des pistes de solutions pour travailler ensemble, pour essayer de faire le mieux possible pour préserver. Mais il y a un bourdon qui est protégé par la loi fédérale. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Puis on l'a dans le verger. Les abeilles sont protégées par les lois fédérales. Il y a sûrement quelque chose à faire là aussi. Mais quand vos citoyens veulent vous voir, veulent vous présenter des idées, on vous a présenté une pétition de 5 000 noms. On a l'impression qu'on est toujours repoussé du revers de la main. On n'est pas considéré. Ce n'est pas comme ça qu'on se sent travailler en équipe, qu'on se sent représenté par le chef de notre ville et le conseil qui nous représente. Et c'est la même chose pour le sentier du sommet. On ne le veut pas. On habite là. Ça nous prend 5 minutes d'aller à l'accès des filles. On le sait, les problèmes de stationnement qu'il y a. Nous, on est en plus sur un cul-de-sac, comme M. disait tantôt. C'est beau avoir des accès, mais il faut des infrastructures aussi pour les supporter. Ça prend du stationnement, ça prend des raisons aussi de l'avoir. Vous parlez de biens collectifs, on ne le veut pas. Les gens dans le voisin salarié en veulent un, c'est justifié. Mettez vos efforts là. Madame Thibault, vous parliez tantôt de raser un boisé complet pour faire une piste cyclable. On peut peut-être juste la faire, la piste cyclable, sur une passerelle protégée de notre forêt, jamais, si on veut connecter. On n'a jamais dit qu'on était pour raser un boisé pour faire Non, non, mais qu'on avait l'opportunité voyons. D'en faire une en même temps, dans ce gros développement-là. Dans le boisé en question, dans le boisé préservé. Je parle de la banque cyclable dans le boisé préservé, dans la banque préservée. On peut l'envisager sans le développement, sans raser tous les arbres, les 9 hectares sur 12. D'accord. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une dernière intervention très brève? Non, je vais vous laisser là. J'espère que vous prenez note de mes commentaires, qu'on ne se sent pas écouté
et on ne se sent pas considéré. Et on essaie d'apporter des outils pour travailler ensemble. Et on sent que M. Saint-Onge est fâché quand on intervient, puis que ça le dérange ce soir, il l'a montré. Alors, ce n'est pas comme ça que vous allez avoir des citoyens qui vont continuer de participer. Vous avez eu des questions la dernière fois. On est nombreux ce soir. C'est parce que vous n'avez pas les citoyens du côté. On veut travailler ensemble. On veut se faire entendre. Merci. Dernière intervention, s'il vous plaît, Mme Pierrat. Bonsoir, Mme Blouin. Bonsoir. Alors, je vais poser ma question parce que je suis assise là depuis 7 heures ce soir. Je sais que je n'aurai pas de réponse, mais je vais être ici au prochain conseil. Et je fais une parenthèse. C'est intéressant depuis une demi-heure. Je trouve qu'on a des échanges qui peut-être vont nous permettre un dialogue. Je vais revenir sur A16, mais sous un autre angle. L'angle de la campagne de financement, M. le maire, que vous avez annoncée il y a déjà quelques mois, dans le but d'acquérir des terrains dans la zone A16. Des modalités devraient suivre, c'est ce que vous nous avez dit lors d'un conseil précédent. Il y a une question qui nous titille, c'est quant à la valeur de ces terrains-là. Je n'irai pas dans les détails ce soir, là, mais tout de suite, on peut parler de valeur aux propriétaires, valeur marchande réelle, etc. C'est un enjeu majeur. Où en êtes-vous dans ce dossier-là à ce jour? Alors, en fait, c'est toujours notre intention, n'est-ce pas? Et on se bute à la réalité municipale, de nouveaux conseils, qui apprend à la dure que, contrairement à bien d'autres sphères de l'activité, quand, pour une ville, ce n'est pas clairement inscrit dans la loi qu'on peut faire quelque chose, lorsqu'on vient pour initier une activité, comme celle d'une levée de fonds, et que ce n'est pas clairement inscrit dans la loi, ça peut devenir fastidieux. Mais on est encore déterminé à y aller, c'est juste qu'on a fait bon nombre de vérifications, des amorces et ainsi de suite, et ça s'avère plus fastidieux, donc on est encore déterminé à le faire. Et oui, il faudra tenir compte de la valeur des propriétés et il faudra tenir compte aussi de la volonté des propriétaires, mais on est encore déterminé à le mettre de l'avant et, comme ce que je peux comprendre de votre intervention, on regrette que ça n'ait pas encore pu être fait. Ce n'est pas à cause de la volonté de l'administration ni de la volonté du conseil. C'est plutôt par rapport au caractère inédit de cette activité-là. Et du fait qu'on a à s'assurer de le faire de manière diligente. Et je suis le premier qui aurait aimé ce soir pouvoir vous en parler et même faire une contribution. Okay. Parce que la valeur qui sera retenue de ces terrains-là, là, qui est la valeur au propriétaire ou la valeur réelle marchande, ça a un enjeu majeur sur le coût de l'acquisition, là. Et la densification ne peut se pour l'instant, la densification est arrêtée à 21 unités à l'hectare? Non, le règlement n'a pas encore été produit. Donc. OK. Donc, on peut espérer que la densification soit vraiment à la baisse de ce qu'on entend? Il y a un règlement qui va être proposé, puis un cadre d'aménagement qui va être proposé, qui va tenir compte de toutes les caractéristiques. Donc là, je ne repartirai pas la cassette, mais à compter de quand qu'on va avoir plus d'informations à ce sujet-là? C'est imminent, ça devrait être dans les semaines qui viennent. Merci. Je n'ai pas dit mois, j'ai dit semaine. Merci. C'est tout? Alors, je vais demander la levée de l'Assemblée. Ah oui, je propose que la présente séance ordinaire du 14 mars 2022 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit levée. J'appuie. Vous êtes tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence.